Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette première diffusion, premier match de la saison 2023-2024 de la LCSE. Mon nom est Firefox et je serai votre hôte et commentateur pour les matchs des Rebelles qui seront diffusés tout au long de l'année. Et à mes côtés, de retour pour une énième saison, j'ai arrêté de compter. Il est là, il y aborde fièrement les couleurs de vos locaux. Blake est de retour à l'analyse des matchs. Comment ça va, Blake? Écoute, ça va super bien. Très heureux d'être de retour pour une nouvelle année dans la saison régulière de la LCSE. Très intéressant de voir les adversaires que les Rebelles devront affronter. Et cette fois-ci, Fire, on va être dans une division un peu plus basse comparée à l'année précédente, soit la division 3A. Exactement. Donc, les Rebelles vont être en division 3 quand même, dans un calibre qui leur ressemble, je crois, honnêtement aussi. Donc, le hasard aura voulu que, je pense, au niveau de la pré-saison, ils ont joué les matchs qu'ils devaient gagner, perdu ce qu'ils devaient perdre contre les équipes plus fortes. Ça faisait du sens. Donc, vont jouer en division 3 avec une fiche de 500, donc 4 victoires, 4 défaites en pré-saison, ce qui fait du sens avec des équipes de niveau similaire. Et leurs premiers adversaires ce soir, ce seront les Aigles du Collège Hansik, équipe que les Rebelles ont affronté en pré-saison, je dois le dire aussi. Donc, les deux formations se connaissent déjà un petit peu. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du match. Et alors que les joueurs se préparent, on va vous expliquer un peu le format pour ceux qui sont nouveaux avec nous. Donc, la LCSE, c'est quoi? C'est une ligue collégiale de sport électronique. C'est une quarantaine de cégeps qui s'affrontent sous différents jeux. Les lundis, c'est League of Legends et les Rebelles en font partie. On vous couvre tous les matchs de la formation sorelloise ici même sur ma chaîne Twitch. Moi et Blake, on va être là à tous les lundis soirs lorsqu'il y a des matchs. Et puis, le mardi, on va avoir aussi du Overwatch. On va en parler rapidement aussi parce que c'est intéressant. On a deux équipes cette année chez les Rebelles au niveau de qui peut ce qu'on va présenter. Alors qu'au niveau de l'horaire justement des prochaines parties, on va en parler rapidement ici. Alors qu'on a un bel horaire à venir dans les prochains jours, on va avoir demain soir les Rebelles qui vont affronter l'Atlas de Victoriaville sur Overwatch à 19h. Et par la suite à 20h30 vont affronter les Gaulois de l'Apocatière sur Overwatch. Lundi prochain, les Rebelles remettent un duel contre les Gaulois, mais cette fois-ci sur League of Legends. Et on va conclure mardi le 21 novembre à 20h30 contre le capitaine de Matane. Alors, grosse semaine en vue et semaine prochaine, bien entendu. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau des matchs, autant pour les Rebelles que pour League of Legends, je voulais dire, que pour Overwatch. Ah non, ça va être assez le fun de voir tout ça. Écoute, surtout qu'avec la nouvelle ajout, il n'y a pas longtemps, de Valorant, qui est rajoutée aussi dans la LCSE, qui vraiment, comparé à l'année précédente, a eu une forte augmentation de cégep qui ont décidé de participer à Valorant. Donc vraiment, de voir de plus en plus de cégep, de créer de nouvelles équipes, d'avoir plus de monde à participer dans cette ligue, qui est vraiment des étudiants et des étudiantes de leur cégep. Vraiment très heureux de voir que ça continue de bien fonctionner. Exactement, donc ça grossit de plus en plus. On est très heureux que la Ligue continue d'évoluer en tant que telle à ce niveau-là. Autant League of Legends, Overwatch aussi, qui est rendu avec plus d'une dizaine d'équipes cette année, alors qu'on n'était pas sûr si le jeu allait rester. Bien, il y a eu un regain de demande cette année. On a pu faire deux divisions sur Overwatch, donc très content. Valorant aussi gagne de plus en plus en popularité, avec Valorant qui s'amène officiellement, j'ai envie de dire, dans la Ligue cette année, alors qu'on était en mode tournoi l'année dernière. Cette année, on va avoir une saison complète. Donc, bien hâte de voir ça. Et bien entendu, Rocket League, qui aussi, du côté de Rocket League, reste un jeu qui est très populaire, le deuxième jeu le plus populaire de la LCSE. Mais on commence à voir de plus en plus Valorant qui gagne en popularité, bien entendu. Donc, ça va être à surveiller. Beaucoup de jeux différents pour tous les étudiants à temps plein dans les différents cégeps de la province. Alors qu'on attend le OK des deux équipes, on est prêt de notre côté. Au niveau de la prod, on attend le OK du côté de Hansik à voir si on est prêt. On est en train de parler stratégie un petit peu. Si tu veux nous rappeler le format du match de ce soir, Blake, s'il te plaît. Yes, donc durant toute la saison régulière de la LCSE, ce sera du best of 3. Donc un 2-2-3 pour ceux qui se demandent. Et on va affronter, bien évidemment, toutes les différentes équipes qui sont dans la division 3A, et j'ai les cégeps
devant mes yeux. T'en as parlé, l'apocatière qu'on va affronter la semaine prochaine. On a aussi les pandas du cégep de Saint-Jérôme. Et aussi, ben, une équipe qu'on connaît assez bien, le TRAD. Le TRAD qui sera dans le groupe de la division 3A, donc le cégep régional de Lanaudière à Joliette, qui sera aussi dans la division 3A. Et comme ça, en même temps, lorsque ces matchs seront faits, tu m'arrêteras si je dis une erreur. Normalement, lorsque la saison automne sera terminée, on va donner des points pour, bien évidemment, les playoffs qui seront plus tard à la fin de la session hiver. Et si je ne me trompe pas, c'est les deux premiers, ou juste le premier maintenant, qui, s'ils sont dans la division 3B et qui finissent premiers, vont augmenter dans le groupe 3A. Et celui qui terminera dernier dans la division 3A va tomber malheureusement dans la division 3B. Donc ça va affecter aussi au niveau des points parce que les équipes qui sont dans la division 3A vont obtenir plus de points que ceux qui sont dans la division 3B. Donc très important à regarder. Et lorsque ce sera la session hiver, pardon, on recommence, on raffronte les mêmes équipes. Exactement. Donc, la saison est divisée en deux splits. Ouais. Et puis après ça, on fait un classement de ces deux splits-là pour faire les séries éliminatoires. À savoir que toutes les équipes font les séries éliminatoires à la fin de l'année. C'est simplement le classement qui va différencier, à savoir les équipes qui vont peut-être avoir une ronde d'avance, un bye qu'on appelle communément à ce niveau-là. Donc, ou affronter des équipes plus faibles dans les premières rondes là, pour le classement à ce niveau-là. Donc, merci en passant à tous les gens dans le chat là, qui arrivent. Là, beaucoup d'amour pour Blake, bien entendu, aussi. Blake, très en demande dans les différentes ligues au Québec, bien entendu, donne beaucoup de temps. Je ne sais pas quand est-ce que tu dors, honnêtement, à ce Ah niveau-là. ben, je fais mon 7-8 heures de sommeil comme d'habitude, là, C'est vraiment bon, le 20 parfait. classique. Parfait à ce niveau-là, et Blake a accepté de revenir cette année. Encore une fois, que les rebelles, c'est toujours apprécié son bon travail. On est en attente du hockey, toujours du côté de Hantic. Les rebelles sont en attente pour débarrer la Pro Draft. Comme tu le disais, oui, Blake, meilleur de trois rencontres, donc deux ou trois matchs qu'on va présenter ce soir, tout dépendant l'issue des rencontres. Quand on regarde le niveau des joueurs, pour vous donner une idée, là, les gens du chat, on va en parler un peu plus pendant la draft et le roster. En fait, on peut en parler un petit peu rapidement des formations des deux côtés, en débutant par la formation des rebelles du Cégep de Sorel-Tracy sur League of Legends, alors qu'on va voir Princesse Lilia au top, Nairé dans la jungle, Québec NBR au mid, Placid Raven. Attendez, j'ai fait une faute de frappe, oh mon Dieu, j'espère qu'il va me pardonner Ah avec ben un oui, je viens E de qui voir était. ça. Et voilà, c'est corrigé. Et Virzoev au rôle de support. Donc, Placid Raven et Nairé ont joué il y a 2 ans avec la formation des Rebelles. Les trois autres joueurs sont des recrues qui s'amènent pour la formation pour cet automne. Donc, bien hâte de les voir jouer. On va pouvoir en parler un peu plus en détail au courant de la saison, comment on joue de ce côté-là. Et pour leurs adversaires, pour les Aigles de Hunsic, on va avoir. Edgar Youp au top, Locopollo dans la jungle, Pietrovic au mid, Diosse Peral au bot et Ban Myself au rôle de support. Désolé, on n'a pas de photo pour les joueurs, mais leur entraîneur-chef, Filet de Porc, a été très, très, très gentil de nous donner ce roster et on le salue au passage, bien entendu. Et toujours un plaisir de voir les noms des entraîneurs, je vais être honnête, Blake, avec toi. On va avoir Coach Mélasse contre Coach Filet de Porc. Si ça ne vous Ben ouvre pas l'appétit, si oui. ça ne vous Écoute. met pas l'eau en bouche pour le début de ce match, vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Un bon souper à soir, vraiment, juste avec cette combinaison. Une équipe quand même, on rappelle au niveau du côté de l'Antique, puis t'en as parlé au niveau des rangs. On est autour du rang low plate, high emerald, en moyenne de ce que j'ai vu avec toutes les différentes équipes. Ça, c'est vraiment la moyenne. C'est pas mal plus en moyenne de platine. Mais quand même, l'équipe de Rebelles sont autour du rang de gold environ. Donc vraiment, peu importe, même si les Rebelles sont un peu plus bas dans la moyenne des autres cégeps, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont les plus qu'ils sont les plus faibles. Ça va vraiment se jouer au niveau de la stratégie, au niveau de la draft. Ça, c'est très important pour la saison régulière, mais aussi de commencer en force avec cette première game qu'on va commencer dans si peu.
Exactement, là, on n'a pas de nouvelles des Aigles. Ils étaient prêts juste avant qu'on démarre la diffusion. Je pense qu'on a peut-être un problème de connexion auprès d'un des joueurs. On attend des nouvelles alors qu'on est toujours en attente. On devrait être bon de débuter dans un instant. C'est des choses qui arrivent, des fois un problème de connexion, un joueur, quoi que ce soit. Mais là, on n'a pas de nouvelles de personne. Donc, on est toujours en attente à ce niveau-là. Mais on devrait être prêt à débuter d'ici peu. Mais oui, on va affronter vraiment plusieurs équipes d'un peu partout au Québec, différents cégeps justement, donc différents styles de jeu aussi qui vont être à surveiller autant sur Overwatch que sur League of Legends. Et puis, je vous dis qu'en moyenne, c'est à peu près 40 cégeps différents dans toutes les diffusions. C'est beaucoup. Donc, c'est sûr, si vous êtes étudiant collégial et vous voulez vous impliquer dans le sport électronique, ça peut être comme joueur, ça peut être comme entraîneur, ça peut être comme diffuseur, si vous voulez faire du streaming, un peu comme moi et Blake ont fait pour les rebelles, bien la plupart des cégeps sont toujours à la recherche de gens pour aider. Donc, renseignez-vous auprès de la vie étudiante dans votre cégep. Et si, bien sûr, c'est votre ancien cégep ou vous êtes un ancien étudiant d'un certain cégep, c'est toujours bien de voir si, s'il n'y avait pas d'e-sport à l'époque, s'il y en a aujourd'hui. Vous pouvez vous Ouais. impliquer quand même ou les suivre sur Twitch à ce niveau-là. Donc, souvent, renseignez-vous et surveillez les réseaux sociaux de vos cégeps respectifs à ce niveau-là. On est une trentaine de personnes. On devrait être bon à débuter. Merci beaucoup de votre patience sur le chat, bien entendu, alors qu'on attend des nouvelles de la formation de Hansik, qui sont tous dans le lobby, mais personne ne semble répondre. Donc, j'attends de voir s'il y a quelque chose qui va bien, qui va mal. Alors qu'on va tenter un message direct Un envers message le staff direct, oui. d'entraîneur à ce niveau-là. Oui, alors que, en même temps qu'on va attendre, tout ça, on rappelle aussi que pour cette semaine, parce qu'après ça, la prochaine semaine, si je ne me trompe pas, on change de patch. La prochaine semaine, vraiment à partir à tous les mercredis, ça vraiment à partir de mercredi, ça va changer. Donc, dans 9 jours, la prochaine patch va arriver, donc la 13.23. Mais il y a quand même des affaires importantes à regarder dans la 13.22, des choses qui devront être à surveiller, surtout avec la LCSE, parce que on est habitué de voir vraiment dans les plus hautes ligues que vraiment on joue quasiment les mêmes champions, on joue vraiment la méta, tout ça. Mais au niveau de la LCSE, on a tendance à voir les élèves sortir leur pocket pick, vraiment leur champion de confort, même si c'est pas un champion qui est populaire dans la méta. On devra regarder ça. Mais des champions à regarder, Janna, gros changement sur Janna, un gros ajustement sur tous ses spells, même son passive. Vraiment quand même très très bonne, très très bonne. Cassante, même si on fait des changements, il reste encore bien ben puissant. Malgré tous les changements qu'on fait, on essaie de trouver quelque chose pour vraiment réduire Cassante. Sanatam Kench, la combinaison du funneling au bot qui était très populaire, va changer. A été nerfé. Et si j'entends au niveau de la musique, je pense qu'on est prêt pour rentrer Ouais, au on a niveau de fait notre draft. la pro draft sans m'avertir en fait à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on n'avait pas de Ah! nouvelles. Tout le monde était concentré sur la pro draft Ah! en fait, tout simplement. Mais on va voir le résultat quand même à ce niveau-là. On va aller en parler tous ensemble à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de souci à se faire. On va avoir la chance d'en parler, ne vous inquiétez pas, pendant qu'on fait la draft officielle de l'autre côté. Donc on n'avait pas prévenu, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. On s'ajuste d'un côté comme de l'autre. Je blâme personne là-dessus pour ce premier match, bien entendu, alors qu'on voit la draft apparaître à l'écran pour le match numéro 1. Les rebelles seront du côté bleu pour ce premier match, justement. Donc, on a choisi du côté des aigles de jouer côté rouge pour la formation. Et au niveau de la draft, très intéressant, on a eu un focus immédiatement du côté des rebelles dans la bot lane avec un first pick sur Miss Fortune qui a été sélectionnée probablement au rôle de AD Carry. Là, vous voyez l'ordre des picks, mais c'est pas seulement les positions qui sont jouées présentement. Et on a riposté immédiatement avec la bot lane aussi pour Hunsick avec un combo Tristana Blitzcrank, donc un combo qui peut être très 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 agressif dans la bot lane. Très, très agressif et ce que j'aime beaucoup aussi comme réplique du côté des rebelles, c'est qu'on va prendre Rakan. On va prendre Rakan qui est aussi un très très bon support en ce moment dans la méta. De jouer agressif, de jouer lorsque Blitzcrank va faire son Rocket Grab, on peut utiliser le Grand Entrance de Rakan tout de suite pour faire un trade, mais quelque chose qui devrait être encore plus important à regarder au niveau des supports, c'est le roaming. Ces deux champions sont excellents à faire de la rotation,
à regarder dans les autres lanes, au mid, au top, regarder pour sécuriser des objectifs. C'est ce que c'est vraiment c'est ce que les deux sont très très puissants sur ça. Donc on devra regarder par la suite. Et si jamais on décide de partir au niveau des supports, on aura un petit avantage au niveau de la Tristana, au niveau de son scaling, parce que plus on augmente de niveau, plus la range de la Tristana augmente. Donc plus facile à faire des trades sur la Miss Fortune. Aussi, question qu'on devra regarder pour plus tard, quelles seront les runes de la Miss Fortune, parce qu'on peut soit la jouer classique AD ou regarder sur un build de létalité avec First Strike comme rune principale. Exactement. J'en profite, les gens du chat, c'est le moment d'interagir. Si vous voulez voter pour savoir qui va l'emporter pour ce match numéro 1, eh bien, c'est le temps de le faire, bien entendu. Vous pouvez voter dans le chat Twitch, dans le Twitch chat, pardon. On va y arriver. Donc, vous pouvez voter dans le chat. C'est gratuit pour savoir qui va l'emporter selon vous exactement. Donc, n'hésitez pas à le faire et à voter dans le sondage. Et on va pouvoir le voir en direct à force et à mesure que les gens remplissent le sondage. On va le voir à l'écran à l'instant, justement, en temps réel, les modifications et comment les votes se dirigent. Petite surprise. En fait, semi-surprise, j'ai envie de dire. Mais on va voir, pour les rebelles, Princesse Lilia jouer Lilia au niveau de la draft. Surprise? Surprise dans le sens que j'ai pas vu Princesse Lilia jouer Lilia de toute la pré-saison. C'est plus ça le fait que je voulais apporter en tant que tel. C'est vraiment le point que j'ai hâte de voir que ça va être. Bon, le nom n'est pas là par hasard, je vais être honnête à ce niveau-là. Mais il est capable, c'est probablement le joueur qui est capable de jouer le plus de choses différentes mécaniquement, qui est le meilleur de l'équipe aussi. Donc de le voir sur Lilia, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour la rencontre. Il est capable de jouer Lilia à différents postes aussi en tant que tel, surtout en sortant une Poppy Lilia. On sait que Lilia, bon, populaire dans la jungle, mais Princesse Lilia joue beaucoup dans la top lane aussi, mais peut jouer dans la jungle et swap de rôle aussi. Nere est un peu un joueur flex qui peut jouer mid, qui peut jouer top. C'est un main jungler à la base aussi. Donc ça peut vraiment aller d'un côté comme de l'autre. Fait que peut-être qu'on a un swap de stratégie justement pour le rôle, vu qu'on a quelques joueurs qui sont flex. Si on oublie la botlane des rebelles qui est pas mal figée en tant que telle, je voudrais que les deux solo lane et la jungle, c'est des joueurs qui sont capables de flex certaines positions et certains rôles au besoin selon la draft qu'on veut faire, mais qui jouent principalement au rôle attitré. Princesse Lilia au top, Nere jungle et Québec NBA mid. C'est ce qu'ils jouent, je voudrais, 70-75% du temps à ce niveau-là. Et après ça, en solo queue, bon, on essaie des petites choses autres aussi. Et ça s'influence des fois sur les parties à ce niveau-là. Donc peut-être qu'on va avoir un Nere qui va flex au top sur Poppy et Princesse Lilia dans la jungle. Ou peut-être ça va être Nere sur Lilia, en fait, tout simplement. Et on Princesse Lilia va jouer Poppy pour bait. On ne sait jamais vraiment ce côté de flex pick, de faire des changements de dernière seconde pour cette première game. Ça va être intéressant de voir quel sera le résultat final, quel joueur va prendre le champion attitré, bien évidemment. Mais ça, on regarde au niveau du restant de la draft. On avait pris aussi la Orianna côté rebelle, une des championnes qui est en ce moment très très bonne, non seulement en ce moment, mais aussi au niveau des Worlds, une championne qui est très, très, tout simplement pick en first pick principalement, qui est beaucoup populaire côté blue side. Pietrovic qui va pick le Gnar pour Edgar Yup, qui honnêtement, Gnar, ça peut bien se faire, ça va dépendre bien évidemment du match-up, mais avec ce qu'on voit en face du côté, avec ce qu'on voit côté rebelle, ben, ça va être bien au niveau de l'early game, lorsqu'on va être en forme de mini-gnar, avoir l'avantage de la range, faire les auto-attaques, trade, peut-être on pourrait partir sur une Grasp of the Undying sur le gnar, donc plus facilement d'obtenir des HP bonus pour la suite du match. Et au niveau des prochains bans, on a beaucoup focus dans la jungle. Oui, je dis beaucoup dans la jungle parce que
Talia, oui, c'est Flexpick, ça peut être Flexpick, tout ça. Mais là, on a déjà l'information que c'est une Orianna qui a été pick côté rebelle. Donc, la Talia qui va être bannie sûrement en tant que jungle, à moins qu'il y ait eu des surprises et que Virzoev est capable de jouer Talia en support. mais c'est beaucoup dans le jungle. Rel aussi, Flexpick peut être Flexpick un peu partout, mais avec ce qu'on voit, ça pouvait être aussi une Rel dans le jungle. Mais finalement, ça va être un Amumu. Dans la jungle côté Antic, qui est vraiment de rajouter cette couche de CC avec le Curse of the Sand Mummy, très important à regarder dans les teamfights. Exactement, alors qu'on va être prêt à débuter à l'instant. Si tout va bien, si j'appuie sur un bouton, et voilà, on y est dans la rencontre. C'est parti! Bon match à tous et à toutes et bon début de saison de la Ligue collégiale de sport électronique saison 2023-2024. Les Rebelles du côté bleu pour la rencontre. Les Aigles du Collège Onsic du côté rouge pour ce match numéro 1. Faudra faire attention par contre du côté de Bad Myself. On est Blitzcrank, on a le flash et on va faire le flash grab comme ce qu'on devait faire. Exactement, mettre un peu de pression. On va sortir un flash pour un flash. Donc, c'est vraiment à l'avantage de Ban Myself sur le Blitzcrank de vouloir mettre de la pression, d'aller chercher justement ce flash adverse vu qu'on va le X-Flash au besoin. Donc, tenter de surprendre en contrôlant les buissons. Et là, on va voir les adversaires entrer et faire l'invade du côté du collège de Unsick. Et les rebelles vont se déplacer finalement du côté supérieur. Et j'avais raison sur un certain flair. Finalement, c'est Nere qui va jouer Lilia justement dans la jungle. Donc, on garde les rôles attitrés prévus et qu'on a pratiqués. Mais Princesse Lilia va être sur Poppy au top. Donc, amener un peu plus de tankiness. J'ai hâte de voir comment on va jouer le tout. Est-ce que Princesse Lilia a donné des cours particuliers à Nere ou non? C'est ce que... On sait jamais, peut-être vraiment de donner des petites informations pour Lilia. Mais comme ce qu'on disait vraiment, Blitzcrank en début de partie, très 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 important de jouer très safe. Parce que Ban Myself sur un Blitzcrank, tu veux essayer de faire un trade de flash. Et au final, ça va être excellent parce que Ban Myself joue avec le X-Flash. Pourra continuer à jouer agressif s'il veut. Et du côté de Locopollo, on a une cible en tête maintenant et c'est Québec NBR. On n'a plus de flash. Très facile à aller chercher si on est capable de bien évidemment toucher avec la bandelette. Et la botlane d'Antic qui va passer level 2 en premier. Donc on va jouer très très safe. Bien derrière, en dessous de la tour, du côté de Placid Raven et de Virzoev. Justement, on va jouer quand même passif, on veut pas prendre de chance, on laisse la vague de sbires pousser, comme tu dis, surtout qu'avec le blitz, on veut pas se compromettre trop et se faire prendre, surtout qu'on a pas de vision et là ça va être dangereux. On se doute que le Blitzcrank est en position, mais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à faire. Mais pour l'instant, on s'en tire bien dans la botlane, donc rien de notable à lancer pour le moment. On voit un look justement qui vient d'être pris ici. Rakan qui va mettre un peu de pression sur Tristana. Virzoev va quand même annuler le dégât qui est fait. C'est quand même à l'avantage de la botlane des aigles, mais on a quand même bien limité les dégâts, empêché Tristana de détonner cette bombe et sortir beaucoup de dégâts. Et finalement, côté Edgariop, on est parti sur Fleet Footwork, qui est aussi une très très bonne rune en jouant en mid-ignore. Donc, si on fait une auto-attaque sur le champion adverse, on obtient un plus gros healing. Donc, ce qui est très très bon, ce qui est très très bon aussi. On a un bel avantage au niveau du CS côté nord, et c'est quelque chose qu'on doit s'attendre, surtout avec l'avantage du range, probablement aussi pour encore plus loin. D'avoir les premières plates au top qui va tomber. Le Copoyo qui arrive, qui vient de terminer son full clear dans la jungle, va faire son scuttle dans la river topside. Mais ça va être très compliqué de faire tout simplement de l'assistance parce que les waves des différentes lanes sont pas mal toutes push vers le côté des rebelles. Donc pour un Mumu, c'est très difficile et ça pourrait donner une occasion pour Nere de faire quelque chose. Qui n'a pas du tout manqué son habileté sur un Scuttle Scrap. C'est Faker. Qui s'amenait lentement, exactement. Par contre, on a de la vision, donc, puis on a Prio mid, Prio bot. Nere doit être prudent quand même pour la rotation, mais finalement, il faut regarder peut-être pour un gang qui sort déplacé, mettre de la pression au bot. Locopollo fait la même chose en se dirigeant du côté supérieur de la carte.
Mais bonne pression. Petit avantage d'XP pour Princesse Lilia. Donc on voit ici peut-être l'avantage au niveau de l'expérience, contrôle de vague. Par contre, le Mega Gnar qui est pas très loin. Donc ça peut surprendre sur la rotation si on veut faire un all-in. Il faut que Princesse Lilia trouve l'opportunité. Elle rase très bien avec son bouclier justement, avec le passif. Tenter de mettre un peu de pression. On va laisser le Mega Gnar proc. Joue intelligemment. C'est qu'après ça, on va tomber niveau 6 et on va peut-être avoir un meilleur engage. On empêche le Gnar de sauter avec la pression et on joue bien côté le passif, le bouclier, essayer de mettre un peu de pression et on va amener Mega Gnar assez bas en point de vie. Princesse Lilia avec le niveau 6 va pouvoir faire un combo complet, à moins qu'on décide de retourner à la base pour Edgar dans la top lane, et je pense que c'est ce qu'on va faire. Edgar Yopop va retourner à la base, fait qu'on va donner un petit avantage, on va crash la vague de sbire, non, on va utiliser la téléportation pour éviter de perdre trop d'XP justement dans la top lane. On est niveau 6 par contre, mais c'est ça, on va tenter de repousser le Gnar. Et voilà, pour crash la tour, peut-être lui faire perdre un petit peu d'XP. Et on va retourner à la base par la suite. 5 minutes 30, 0-0, donc les deux adversaires s'observent. On joue de façon assez lente. Peu d'action et peu de présence des junglers. Peu d'occasion de gank, j'ai envie de dire, en début de rencontre aussi. Et ce qu'on n'a pas vu aussi au niveau des caméras, c'est que lorsqu'on regardait au niveau de la top lane, Ban Myself a été capable de lander un autre grab sur Placid Raven. Mais avec Virzoev, avec le Battle Dance, avec le healing qu'on est capable de faire en tant que Rakan, ben on n'a pas tant perdu d'HP. Et on va être capable de bien spam le healing avec le Q-Spell. Et quelque chose de très important à surveiller pour les prochains teamfights, pour les objectifs, le dragon et pour le Herald et Baron, ben c'est l'ultimate de Princesse Lilia. Un bel ultimate pour retirer le jungler ou retirer d'autres joueurs pour avoir un avantage au niveau du nombre de joueurs peut favoriser les rebelles dans les teamfights. Il va falloir maintenant du côté de Princesse Lilia de bien viser, de bien utiliser l'ultimate pour donner cet avantage. Et en parlant d'avantage, ben on a reset côté les aigles, on va donner le premier dragon au côté rebelle. Exactement, on se dirait de l'autre côté-là. Donc, bon réflexe, bonne lecture pour la formation sorelloise d'aller chercher cet objectif alors qu'on est retourné à la base pour un premier back pour la botlane des aigles. Et on va pouvoir aller chercher un premier objectif neutre vraiment non contesté. Dragon des montagnes, donc pas nécessairement le plus puissant des dragons, mais qui peut aider des champions comme Rakan, comme Poppy justement, à profiter un peu plus de résistance, d'armure là, en tant que frontline ou tank qui veulent engager les combats. Alors qu'on voit justement, parlant de combat, le hull de Gnar qui est utilisé, mettre un peu de pression. Princesse Lilia devrait s'en sortir, mais Gnar met moins de pression pendant ce temps-là. On essaie de prendre Québec NBR sur le côté et on va mettre beaucoup de pression. Le double grab de la part du Amumu plus le hook de Blitzcrank avec la rotation de la mid lane. Québec NBR devrait tomber et c'est le First Blood qui va aller en faveur des aigles et Pietrovic qui récolte le tout. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'on va falloir regarder comment on a un peu vraiment vu par contre pour comment Québec NBR est arrivé dans cette situation de 1v3. Mais très bien par contre du côté de Huntsic, on donne le kill à Pietrovic sur un Vlad. C'est quelque chose qui est super important étant donné qu'on veut du côté du Vlad rush la Night Harvester. Et Princesse Lilia risque de se faire prendre encore une fois par Ban Myself. Exactement, beaucoup de pression, le dive bien exécuté et on réussit à tout donner et prendre un deuxième kill. Donc le roaming, Blitzcrank à Mumu, beaucoup d'habiletés qui peuvent lockdown et engage aisément. Et là on décide de roam et on fait bien le travail pour l'instant en début de partie pour la formation de Huntsic. Là, faudra faire quelque chose du côté des rebelles, essayer de faire une réplique ou quelque chose, mais on était capable, côté Huntsic, de voler le blue buff, le blue buff des rebelles. On va aller chercher aussi le Scuttle, l'Herald. Oui. Écoute, c'est pas mal plus gros un Herald qu'un Scuttle. Là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant à partir de ce Rift Herald? Est-ce qu'on veut l'utiliser dans la mid lane alors que Ban Myself qui a tenté un autre Rocket Grab? On a vu au niveau de la mana qui a droppé considérablement, tenter quelque chose encore une fois sur Québec NBR. Mais ce Rift Herald, soit qu'on l'utilise au mid, soit qu'on l'utilise au top. C'est vraiment les deux lanes que je pourrais voir un Rift Herald. Surtout pour Pietrovic, parce qu'on veut obtenir cette Night Harvester, avoir ce bon burst de damage
pour les prochains teamfights. Et pour Edgar Iopop, ben c'est juste continuer à augmenter l'avance de CS et des items, parce que oui, on a la Chine côté Nord, mais au moins du côté de Princess Ilia, ben on sait qu'on va se faire trade au niveau des auto-attaques constamment. Donc les plated steel cap seront achetés en premier et ensuite on va regarder au niveau du damage, alors que Locopollo qui veut revenir au top. Exactement, on s'est bien déplacé, on l'a vu, on était bien avancé, on va éviter ce gank à ce niveau-là. Nairé qui tarde à gank et niveau 6, donc a les outils pour mettre de la pression avec un bon gank au besoin avec l'ultime pour endormir ses adversaires. Mais il va falloir commencer à trouver des options parce que Locopollo a fait deux ganks avec succès jusqu'à présent. Et au tableau indicateur, ça avantage de 1000 pièces d'or la formation des aigles pour ce match numéro 1. Et on retourne au top côté Locopollo, vraiment. On est trop loin côté Princess Ilia. Un bon petit W pour seulement obtenir ce movement speed, mais aussi arrêter la bandelette. Et bonne nouvelle côté Princess Ilia, on est capable d'aller chercher une plate en plus de cela. Ouais, ce qui est intéressant, surtout avec l'habileté de Poppy, avec le ground, c'est que si on tente d'utiliser une deuxième bandelette sur Amumu, on peut pas se déplacer malgré tout. On va cesser, mais on se déplacera pas pendant un moment vu qu'on est grounded pour quelques secondes par la suite. Donc ça peut couper vraiment de beaucoup l'engage de Amumu si on l'utilise au bon moment, s'il a ses deux charges justement disponibles avec le Q, avec le Bandage Toss justement. Alors qu'on regarde pour mettre un peu de vision dans le tribouche, Man Myself est allé voir, a vu les deux wards. Donc il va retourner dans la lane de la bot lane. On vient de passer le cap des 11 minutes, toujours 2-0 dans cette rencontre en faveur des aigles du Collège Antique. Et là, Man Myself tente de mettre de la pression. Un petit sidestep de Placid Raven évite la pression aussi, alors que Virzoev tentait de garder la vision et s'assurer qu'on voyait bien l'adversaire. Ce qui est bien fait, on va les voir faire la rotation. Et on sait qu'ils vont détruire les wards par la suite. Et là, on a Amumu qui se révèle en prenant la plante de vision, va montrer sa présence dans la jungle adverse. Et bien là, Locopollo, de son côté, excellent début de match sur Amumu, mais une bonne pression sur la carte. Il n'hésite pas à invade autant du côté supérieur qu'inférieur sur Summoner's Rift et mettre de la pression. Un peu de dégâts sur Ban Myself qui s'amène ici alors qu'on se fait knock-up. Placid Raven doit reculer à l'ultimate avec l'ult qui est lancé. Le flash à extérieur un peu tard. Québec VR se fait gank par la suite. Flash out va utiliser le command protect, mais la dernière auto-attaque du Gnarr va avoir raison et c'est Locopollo avec le kill finalement grâce à ses items. Prend le kill peut-être sur Edgar qui s'amène en renfort, mais néanmoins le résultat est là. On s'est fait surprendre, pas de vision encore une fois dans la rivière pour voir les buissons, et la pression exercée par Locopollo paye pour son équipe. Ça paye oui, mais malgré aller chercher ce kill, on va placer le Rift Herald au mid qui en fait c'est pas vraiment bien placé, mais un autre fight. Et on se fait hook par contre ici là, qui peut être dangereux. L'ultimate de Lilia qui est lancé, mais va toucher une seule personne. Placid Raven n'est pas en position. Un engage un peu chaotique des rebelles et désespéré pour tenter de vouloir mettre de la pression. Ce qu'on prend le kill, Princesse Lilia va prendre un kill, mais néanmoins, c'est trois membres des rebelles qui vont tomber. Donc un engage un peu désespéré alors qu'on n'avait pas de ressources. Placid Raven n'avait pas d'ultimate pour supporter le reste de son équipe. Et on a voulu engager en désavantage numérique. Ça va donner un dragon en faveur des aigles. Et surtout, trois autres kills en plus dans ce combat près du dragon. On aurait dû tout simplement arrêter de fight au Drake lorsque Nere est mort. On n'a plus de jungler. C'est tout simplement impossible de voler cet objectif. Donc, essayer de faire un peu une revanche pour tout simplement aller chercher des kills pour Nere alors qu'on est mort, c'était tout simplement pas nécessaire. On donne non seulement des kills, on augmente l'avance au gold. Ban Myself qui retourne dans la mid lane encore une fois. Et avec tout ce qui s'est passé dans les autres lanes, au moins côté Princess Illidia, c'est qu'on a été capable de faire un bon push au top, égaliser la marque au niveau du CS et d'aller chercher un maximum de plate. Et là, on veut rapprocher sur la tour, mais le Narc est utilisé. Exactement, ici, on met une bonne pression. Bon duel entre les deux, très serré. Poppy n'a pas d'ultimate par contre. Et là, on va venir en renfort de justesse. Le shutdown qui va faire plaisir à Princess Lia. Par contre, on a Ban Myself. Faut rester près des minions. Tension, ultimate au besoin. On va tenter le stun et voilà, on s'en doutait, on allait mourir. Par contre, est-ce qu'on peut prendre le kill du côté de Nere?
Loco s'amène, va flash in, on se fait hook par la suite. On a l'ultimate du côté d'Amumu qui vient d'être lancé. Québec NBR est venu en renfort, est-ce que ça peut être suffisant? On n'a pas tant de dégâts. Et là, le command shockwave qui est utilisé dans le vide pour Québec NBR. Sur le côté, on va prendre le kill quand même, mais on a raté l'habileté ultime. Est-ce qu'on peut se venger sur l'Amumu? On fait quand même beaucoup de dégâts, mais on en fait aussi du côté de Québec NBR. Attention, la surprise ici, de justesse, Neri vient sauver son midlaner et ainsi dire... sauver les meubles sur ce combat qui avait mal débuté pour la formation des rebelles. On joue tellement avec le feu du côté des rebelles. Il y avait énormément d'erreurs pour Québec NBR. La shockwave mal placée, la boule qui aurait dû être placée dans différentes positions pour attaquer By Myself plus rapidement. Et on a été chanceux aussi dans le 1v1 Princesse Lilia contre Edgar Iopop. Juste le shield au bon moment pour rester en vie, pour aller chercher ce solo kill important. Et on va avec tous ces kills et aussi avec les plates, surtout au niveau de la top lane, comme ce qu'on avait dit tantôt. Ils ont tellement on restait tellement longtemps au mid et au bot, incluant le dragon, que ben, du côté Princesse Lilia, c'est... on va en profiter, on va égaliser la marque de CS et même prendre l'avance au CS face au Nord, même si l'avance au Gold est du côté de Antic. Ce n'est pas une grosse avance, donc tout est encore possible du côté des deux équipes. Exactement, là on vient de limiter un peu les dégâts avec les kills qu'on vient de prendre. Trois kills importants contre un seul concédé. Mais il s'en est fallu de peu. Les rebelles ont joué un peu de chance sur la séquence. Le méga Gnar qui va s'enfuir de façon défensive avec l'ultimate, avec le Gnar. Et Québec NBR a un peu de difficulté au mid. Va aller chercher quand même un kill 2 assists sur la séquence au top. Ça va l'aider parce qu'au mid, on n'arrivait pas à faire grand chose. Donc on va revenir un petit peu en termes de gold. Mais néanmoins, ça reste un match sur papier qui est dicté et à l'avantage des aigles dans les 15 premières minutes de la rencontre. Et aussi, ce qu'on peut voir, oui, on parle de Québec PR, de la difficulté, mais par contre, Princesse Lilia, qui s'est bien récupérée comparée à l'early game, qu'on avait beaucoup de difficultés, qu'on acceptait beaucoup les auto-attaques du Nord. Et là, étant donné qu'on avait l'avantage au niveau du Mythic Item, on était capable de remporter plusieurs trades. Et non seulement ça, on récupère la première tour, ce qui ben, permet à cette Poppy ben, d'être une menace pour plus tard, étant donné qu'on est quand même bien tanky. On a les play dead, on commence à regarder pour la Sunfire, la bandelette de Locopollo qu'on voulait tenter de l'autre côté. Je pense qu'on est content qu'on l'a manqué côté Amumu, parce que ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'il y avait trois autres joueurs qui étaient prêts à aider son coéquipier. Exactement, là on veut peut-être mettre de la pression au mid. Une ward qui va repérer tout le monde et on tente de les prendre en étreinte. Est-ce que ça va être suffisant à By Myself? Tente de se repositionner, s'éloigner. On va avoir le stun. Non, qui ne connectera pas au mur. Virtuel va profondément en territoire adverse. Utilise le ult. Le ultimate de MF aussi. N'arrivera pas à prendre le kill. Le Copoyo en arrière sur la Miss Fortune, par contre, va déranger un peu le combat. Neri prend un premier kill sur la séquence. Mon débat en point de vie va tomber immédiatement par la suite. C'est le doublé pour la Tristana. Giuseppe se fait aller avec les resets de Rocket Jump. Triple kill. Est-ce qu'on va vouloir le dive? On va se replier finalement et s'éloigner. Malheureusement, on n'a pas le Command Shockwave. Ça aurait pu être gros pour amener la Tristana et avoir un shutdown. Ça sera 3 pour 1 en faveur des aigles. Les rebelles ont vu plus gros que leur pense et voulu engage, mais on n'avait rien pour prendre un pic et on était éparpillés du côté des aigles, mais éparpillés de bonne façon pour surprendre la backline de ce Rattrassi qui malheureusement n'était pas couverte. Et ce qui est encore pire du côté des rebelles, c'est que on a utilisé vraiment la façon d'engage le moins bien possible. On a commencé, Rakan était présent, on a utilisé la Shirelia, on aurait dû utiliser l'ultimate tout de suite, avoir ce bonus de movement speed pour aller chercher la personne en question, mais on est allé trop loin, on a mal utilisé le dash de la Poppy, et à cause de ça, ben Virzoev a dû aller beaucoup plus loin qu'on aurait pensé. Encore une fois, un autre Grand Entrance qui va être manqué, mais on a l'avantage du nombre du côté des rebelles. Princesse Ilia qui va aller chercher ce kill sur ce Blitzcrank et probablement le Rift Herald. Mais il faut regarder Giuseppe, lui qui va prendre la tour au mid. Exactement, et en parlant de tour au mid, ça va être intéressant d'en reparler peut-être après la rencontre, mais des gros changements qui s'amènent sur les tours au niveau du gold aussi, qui est attribué
On aura la chance d'en reparler un peu plus tard, mais ça aussi, ça va changer la donne sur la priorité, sur ses objectifs pour cette saison. On va réussir à aller chercher justement le héros de la faille tout juste avant l'arrivée du baron dans moins d'une minute. Mais Tristana qui va avoir pris deux tours quand même à elle seule ou presque dans la botlane et au mid. Donc c'est beaucoup de gold local pour la Tristana qui est rendue à 7700 pièces d'or. C'est 1300 pièces d'or de plus que la Miss Fortune de Placid Raven qui se contente de 3 petits assists pour l'instant. Alors que Québec MBR voit qu'il a de la compagnie. On aime beaucoup la Oriana, on tente de mettre la pression, mais les rebelles ça arrive pour prêter main forte. La téléportation a terminé, le Shockwave, excellent, le trade de Miss Fortune aussi qui fait le travail. Par contre on a Gnark derrière, il faut protéger Placid Raven, le shutdown qui va venir. 2 kills en faveur de Sorel Tracy, la mêlée continue vers EF, tente de pile mais subit beaucoup de dégâts. Comment est-ce que Scoochie tente de flasher dans le buisson, mais on avait la vision et on tombe. C'est 2 pour 2. En ce moment au niveau des kills, les rebelles replient vers la T2 dans la botlane et on devrait arrêter le combat sur cette séquence. Les rebelles avaient bien démarré le tout, mais cette téléportation du Gnar vient aider la formation des aigles à égaliser le combat. Et on avait cherché le kill le plus important et c'était sur Giuseppe. Lorsqu'on a pris le kill sur la Tristana, on aurait dû tout simplement arrêter le fight. C'était tout simplement 100% à l'avantage des rebelles juste avec ce kill. Mais côté Virzoev, on a décidé de commit encore trop loin et le flash qui malheureusement n'a pas... je ne sais pas si on voulait flasher dans le buisson ou qu'on voulait... de l'autre côté du mur, donc un flash mal utilisé côté Virzoev. Donc il y aura quand même beaucoup de choses à regarder après ce match côté de l'équipe pour voir à quel moment, et ça c'est une question qui est super importante, pas seulement juste pour les élèves, mais aussi pour pas mal tous les joueurs lorsqu'on fait des parties. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit arrêter? On a pris le kill important sur Giuseppe. Est-ce qu'on devait tout simplement arrêter, faire un reset pour regarder pour un prochain objectif où on se sent confiant pour aller plus loin malgré les adversaires qui sont en face? Et le plus gros adversaire en ce moment, c'est Pietrovic, lui qui vient de terminer sa Rabadon en deuxième. C'est lui qui va être la menace pour le restant de la partie. Donc le burst qui sera capable d'appliquer sur Placid Raven, sur Virzoev, vraiment pas mal tous les champions pour être bien honnête, sauf Princess Ilia avec la tankiness qui va arriver avec la MR. Mais quand même, de bien se poser des questions de quand je dois arrêter ou est-ce que je dois arrêter ou est-ce que je dois continuer. Ça va être à suivre, mais l'action est là. Et là, on vient se faire bait pour Princess Lia. Par contre, on va avoir l'ultime pour désengage. Tourner en 1 contre 1, on n'en demandera pas plus. On n'avait pas le Mega Gnar pour vraiment poursuivre. Mais on va forcer l'ultimate de Poppy. Donc, on va le prendre. Et Loco Pollo est partout sur la carte. Met tellement de pression avec son Amumu. Joue un excellent match pour son équipe. Et il est l'une des raisons clés pour laquelle, justement, on est en avance du côté des aigles dans ce match numéro 1. On va regarder Princess Ilia qui voulait tenter d'interrompre le bac du Nord. Et honnêtement, même si on était capable de l'interrompre, je pense pas qu'on aurait fait une grosse pression. Pietrovic qui va aller avec le Ghost. Avec le Hemoplay que tu uses. Là, par contre, je ne t'entends plus, Fire. Juste, l'important, je ne t'entends plus. Oui, exactement. Pardon, j'étais en train de m'étouffer avec ma salive. Ah, oh, OK. Pardon, okay, donc je m'étais mute un instant. Un vilain rhume. Et parlant de vilain, on voit un combat ici, l'ultimate de MF, mais on se split de part et d'autre. On n'arrive pas à prendre un pic. On arrive à joindre Poissy Draven et on met de la pression. Edgary va tuer Neri qui était assez squishy. Et là, les rebelles doivent se replier alors qu'on est trop tanky pour la formation des aigles. C'est 2 pics, 3 pics qui vont tomber. Québec MBR va suivre. 4 pour 0, Placid Raven s'enfuit, mais n'a pas arrivé à contenir les gens en place. Tout le monde s'est parti du ultimate et quand on a continué à chase, eh bien là, la réplique est venue pour les aigles. Ils sont trop tanky, ils ont trop de CC de masse. Loco Pollo est tellement tanky, réussit à rejoindre les squishy des rebelles et à gagner tant de temps pour son équipe. Et encore une fois... l'initiation était pas mauvaise du côté des rebelles.
avec la t'en as parlé, la tankiness, la front la vraiment la front lane des joueurs de Hunting commencent à avoir une grosse puissance. La Mumu, le Gopoyo et même le Gnar, même si on se concentre plus sur le damage, faut surveiller le Mega Gnar qui donne un maximum, quand même un bonus de max HP, donc plus tanky, capable de, avec son ultimate, de bien changer le fight dépendamment où est-ce qu'on est rendu. Et aussi côté Ban Myself, très très bon grab, de bons grabs consécutifs sur les joueurs pour qu'ils empêchent les joueurs de Rebelle de jouer. Et on va regarder comment on va utiliser ce jeu de puissance. Et belle petite nouveauté, je viens de voir ça, mon petit Fire. Le timer en haut à droite. Donc, vous allez avoir les informations de combien de temps le baron il reste. Et aussi avec le gold bonus qui ont été capables de chercher avec ce jeu de puissance. Exactement, jeu de puissance pour les aigles avec ce premier baron qui est acquis et qui était bien acquis. Alors qu'on met de la pression, la tour au mid va tomber. Et Tristana est inarrêtable en ce moment. Alors qu'on est dans la jungle des rebelles, on prend le contrôle. Regardez-moi toutes ces wards, la vision qu'on veut aller chercher. On met beaucoup, beaucoup de pression. On laisse Québec NBR seul sur le split push alors qu'on tente de s'enfuir. On va se faire stun. On tentait de s'enfuir. Le Vlad est là. On garde la Tristana, pas la Tristana, l'Oriana en place. On a fait quand même beaucoup de dégâts. Et là, on prend un autre coup de tour. Le Copoyo va tomber. Québec NBR prend le kill parce que Draven voulait prendre ce kill pour lui tout seul. Mais là, on est peut-être un peu overextend. Le Ghost qui va être utilisé, Pietrovic va rester à s'enfuir. Mais là, on va là Drowsy qui est bien utilisé. Et là, on devrait tomber sur la séquence. Le shutdown va aller dans les mains de Néré. Par contre, c'est l'élévateur de la mid lane qui va tomber sur le jeu de puissance. On continue de mettre de la pression. Et on va aller chercher un petit 800 gold d'avance sur ce jeu de puissance. Alors qu'il reste une minute au baron, trois joueurs des aigles vont garder le Nashor. Et aussi que important le sleep, on ne peut pas utiliser le pool, on va dormir dans la flaque de Vlad. Donc au moins un shutdown qui va être recherché côté Néré, mais quand même on est capable du côté de Huntsic d'aller chercher ce premier inhib. On pourra commencer à maintenant faire du split push sur les autres lanes. Surtout, je regarde principalement la top lane parce que la T1 est toujours en vie. Et mais très très faible, parfait pour le Gnar de terminer son travail dans la top lane avec cette tour. Donc il y aura une vingtaine de secondes qui va tomber. Au moins 4000 gold de bonus qui sera fait au niveau de ce power play. Donc quand même une belle utilisation de ce burn buff alors que Québec NBR va rencontrer Giuseppe. Exactement, ici le shockwave pour arrêter le rocket jump. Mais on va prendre le kill avec le flash sur positionné. Et vraiment un match difficile. L'Oriana n'arrive pas à mettre beaucoup de pression présentement, malheureusement. Et on tombe encore et encore en ce moment. 18 à 10, la marque en faveur des aigles qui contrôlent ce premier match. Alors qu'on va regarder prochain objectif, dragon dans une minute. Ça pourrait être le Dragon Soul X-Tech de disponible. Princess Lia veut aller protéger cette tour-là, mais on n'a pas tant de poke, pas de gros wave clear. Et Vladimir et Tristana peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont la mobilité, ils peuvent éviter les engages s'ils le veulent. Ray tente de faire un pick, va trouver le Blitzcrank qui vient chatouiller un petit peu la Lilia. Lui dire bonjour. Est-ce qu'on est au zoo? Est-ce que je peux te flatter? Il fait ce qu'il veut en se promenant dans la jungle adverse présentement. 28 minutes dans la partie. Dragon dans 35 secondes et ça va être à surveiller. Alors qu'on a toujours l'inhibiteur au mid des rebelles qui est tombé. On n'arrive pas à trouver le stun pour Princess Lilia malheureusement. C'est passé bien près. Mais là le kite ici, le Gnar fait extrêmement mal avec la Black Cleaver aussi. Empêche Princess Lilia de faire quoi que ce soit sur la Poppy et on doit se replier. Dragon disponible et on commence à se regrouper justement pour les aigles, tenter un bait, mais on a la vision quand même, on voit bien le Copoyo sur le côté, on se doute qu'on n'est pas seul. Il suffit de faire attention dans le Dragon Pit à pas se faire prendre aussi à ce niveau-là par le Blitzcrank. Faut surveiller aussi la ward qui est derrière le Dragon Pit dès qu'on va sortir du buisson. C'est là où est-ce que Ban Myself pourrait regarder un grab. Mais faudra tenter de faire une contestation parce que c'est quand même un Dragon Soul, mais on sera pas capable de se rapprocher. On a même utilisé l'ultimate de la Poppy pour essayer quelque chose, mais Néré n'a pas de flash. On joue avec le Ghost
au lieu du flash. Donc c'est encore plus difficile de tout simplement rentrer dans la rivière, dans la river Budside et de faire quelque chose. Excellent flash grab. Exactement, bien fait que Vinci, Placid Raven tente de se replier et s'en aller, va-t-il le ghost pour s'éloigner, mais subit tant de dégâts ici. Visuev n'est pas tanky pour subir le tout, il gagnait du temps pour son équipe. Poppy tente de faire le travail, réussit un peu à gagner du temps, mais tombe, ce sera le doublé pour Pietrovic qui va s'amener mettre de la pression de la téléportation avec Oriana qui était sur le split push, va s'amener défensivement pendant ce temps-là. On pousse dans la botlane, JCP va prendre la T3 de la botlane et l'inhibiteur qui va suivre par la suite. Et ça pourrait être la poussée finale, dernier combat. L'ultimate de Miss Fortune ne touche personne. Vlad était dans sa poule et a évité le gros du dégât. Placid Raven doit s'en aller et retourner à la fontaine. Pendant ce temps-là, on arrive par la midlane avec les Super Minions. On flash in pour la Mumu. On va réussir à éliminer rapidement sur un killing spree Québec NBR. Les rebelles sont dans leur base et ce sera la fin de la rencontre. En 30 minutes, les Aigles vont mener la série 1-0. Une victoire assez convaincante, surtout avec la botlane qui s'est pas mal unleashed, mais vraiment, by myself, beau, de très très bonne rotation. On a été capable d'aider la top lane, vraiment la mid lane, on est allé partout, littéralement. Et c'est quelque chose qui était important à regarder en early game lorsqu'on a flash grab Québec NBR en début de partie. On est allé chercher cette Oriana pour aller regarder ce first blood. Donc vraiment, bien fait du côté de Huntsic. Côté Rebelle, beaucoup de spells qui, malheureusement, soit qui ont été comme manqués, ou soit qu'on a commit un peu trop loin. On l'a vu au niveau du dragon. Le fight commence à être bien. Le sleep commence à être channelé avec le bullet time de la Miss Fortune. Mais là, t'as la Poppy qui décide d'arriver puis va aller plus loin, ce qui va permettre aux joueurs de Huntsic d'être dans une position sécuritaire. La frontline va foncer au niveau de la backline parce que Poppy, qui est la frontline, est en train d'attaquer, n'est pas du tout présent pour protéger ses coéquipiers. Donc ça permet d'aller chercher les kills, d'aller chercher non seulement ça, mais le dragon et le baron à charge juste après ça. Exactement, donc on a mieux joué le plan de match. On va prendre une courte pause pour se préparer pour le match numéro 2. Les Aigles du Collège Huntsic ont remporté la première rencontre, mettent 1-0, ce meilleur de 3 matchs. On vous revient dans une quinzaine de minutes, à tout de suite. Slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Oh, I just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all won't see. Yeah, you won't see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. But good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste, so I've been sitting in the space, yeah, making rest every day, man, you know that I go insane, yeah, I hit you with a bullet to the brain, then it's that first, cause we going, you going insane.
You don't know what I'm gonna do. You don't know what is next. And I'm loving the fact, truly it's making me blessed. Cause I work on my team, no snakes in the grass. And we have a choice in the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past. Man, we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. Sure, sure. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. We be the best, best. Yeah, we be the best. Whoa. Yeah, we be the best, best. Nah, we be the best. Hey, yeah, we be the best, best. Hey, we be the best. Yo, you wanna come on my test? Well, you want to see we the best? Hey, you don't see that we're the best kid, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face. Like Michael Jordan does, but a ball in the basket. Oh, damn kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen. But now I'm really come on and we pull out with the action. Cause people defeat those, they don't get it like.
Mais encore une fois, le prochain prix, tu sais, on parlait au début là, dans le panneau lui-même de manière générale, la clé de développer des programmes et de développer n'importe quoi, c'est quoi? C'est la jeunesse, puis c'est les relèves. Puis cette relève-là passe majoritairement à travers quoi? Les écoles, l'éducation, la normalisation du e-sport. Faut que ça arrête d'être juste de quoi de vraiment weird où tout le monde pense qu'on est dans le sol, même si c'est vrai, genre qu'on est tout le temps dans le sol. Faut que le monde arrête de penser ça. Puis c'est vraiment important de reconnaître l'importance de l'impact des écoles, des programmes éducatifs, puis des organisations scolaires dans ce phénomène-là qui est le e-sport. On en voit de plus en plus arriver, entre autres, par exemple, à l'UQTR, qui est un micro-programme maintenant de développement e-sport. C'est vraiment quelque chose de super. C'est la première au Québec, c'est la première fois au Canada. Je pense même, ils vont me confirmer, que c'est quelque chose qui arrive. Donc, on voit vraiment de plus en plus des belles choses se produire pour l'e-sport. Et qui de mieux pour présenter le prix de la meilleure diffusion académique e-sport que Benoît Benteler-Tellier, qui représente le programme, le micro-programme de e-sport de l'UQTR. Accueillez-le chaleureusement, s'il vous plaît. Hey guys, on m'a menti sur mes feux, c'est pas Benoît qui vient le dire. C'est les feux, c'est pas moi. Je vais accueillir chaleureusement Alison Gins de la FQSE. Encore mieux! Désolée pour tous ceux qui s'attendaient de voir Benoît. Inquiétez-vous pas, vous allez le voir plus tard. Donc, je suis heureuse aujourd'hui de venir remettre le prix de la meilleure diffusion académique e-sport au nom de l'ensemble des membres du conseil d'administration de la Fédération québécoise en sport électronique. On est plusieurs ici présents pour vous supporter. Les membres de chacune des catégories, vous êtes tous et toutes importants. Vous contribuez à l'essor là, de ce qui est le sport électronique au Québec. Le prix que je remets vise à reconnaître et à célébrer la meilleure diffusion académique puis à faire l'essor là, d'au moins une ligue e-sport dans l'académique au Québec, que ce soit avec la ligue secondaire LSSE ou les collégiales LCSE. Donc, allons découvrir les nommés ensemble. Meilleure diffusion académique e-sports, Cégep de Saint-Jérôme. Cégep de Thetford. Les Légionnaires du Cégep de Sainte-Foy. Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy. Est-ce qu'on a notre roulement de tambour? Et le gagnant est le Cégep Sorel-Tracy. Merci beaucoup. Premièrement, c'est le projet de diffusion au Cégep de Sorel-Tracy. Ça a été un projet, premièrement, de passion. Et je tiens à souligner les trois autres finalistes dans la catégorie aussi qui offrent des diffusions vraiment qui me poussent à chaque année à trouver des nouvelles solutions pour me renouveler sur la production parce que les trois autres cégeps, que ce soit au niveau de Saint-Jérôme, que ce soit au niveau de Thetford, que ce soit au niveau de Sainte-Foy, repoussent d'année en année vraiment la qualité de diffusion. Puis je veux les féliciter aussi parce que ils méritaient d'être là, honnêtement. C'est même pas une question à ce niveau-là. Je veux remercier quelques personnes rapidement aussi qui font que la diffusion des Rebelles est ce qu'elle est depuis 5 ans. Premièrement, un gros merci à Nicolas, Blake, si tu nous regardes. Depuis 5 ans, tu es à la diffusion des matchs des Rebelles. Année après année, soir après soir, tu es là. Même quand on joue contre ton propre cégep, tu es là pour encourager les Rebelles. Tu es impartial, tu fais de la bonne analyse. Un gros merci. Ça t'appartient aussi, ce trophée-là. Merci beaucoup pour ton temps.
Un gros merci aussi à Myriam Cheblet, qui s'occupe du programme des rebelles sport et e-sport au cégep. Année après année, elle me donne carte blanche pour la qualité de la diffusion, pour ce que je veux apporter sur le projet. Donc, un gros merci à Myriam, puis de me faire confiance dans l'année pour la diffusion. Et un gros merci aux trois autres cégeps qui étaient en lice, parce qu'honnêtement, c'était pas de vous autres. Je ne stresserai pas à chaque année à trouver comment je vais faire pour me démarquer sur la diffusion du stream. Et vous avez une diffusion de qualité. Fait qu'un gros merci tout le monde. OK. Encore une fois, c'est assez incroyable hein, qu'au cégep, il y a du e-sport. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous, au cégep, quand on faisait du e-sport, on se faisait intimider. Maintenant, c'est cool, c'est super. All right. Mais pour vrai, c'est la clé, hein, c'est la clé, c'est là qu'on voit que ça commence. Les talents sont de plus en plus jeunes, pour ceux qui se souviennent, même à Valorant surtout, parce que là, CS2, c'est un jeu de vieux. Mais à Valorant, on a du monde vraiment, vraiment jeune. Nommez-moi un joueur de CS2 qui a 14 ans, voire. OK, c'est ça. Non. Mais c'est vraiment le fun de voir la relève de plus en plus construite et structurée. Fait que, honnêtement, encore une fois, félicitations à tous les cégeps qui ont été nominés. Pour la prochaine catégorie. Et on est de retour pour la suite de ce match entre les rebelles du cégep de Sorel-Tracy et les aigles du Collège Onsic. Et comme vous avez pu le voir sur la présentation, Blake. Yes, sir. Il est là, ce trophée. Il est en partie à toi. C'est dur de te le passer. Écoute, dans je vais l'écran, essayer de le pogner, malheureusement. Là. Mais écoute, effectivement, ce week-end, pour ceux qui l'ignoraient, samedi dernier, c'est-à-dire avant-hier, il y avait le gala e-sport, justement, qui récompensait l'industrie québécoise. Et le cégep de Sorel-Tracy était en liste, justement, pour la meilleure diffusion, le meilleur stream que vous voyez à ce niveau-là. Et on l'a emporté. Donc, merci à... vous, d'abord les spectateurs qui êtes là à chaque saison, qui regardez, qui m'encouragez aussi, qui encouragez Blake à continuer à ce niveau-là. Vous l'avez vu, les remerciements, ce trophée appartient aussi à Blake. Il est une des raisons du succès du stream aussi en partie à ce niveau-là, vu qu'il est là à chaque saison à ce niveau-là. Donc, un gros, gros merci à vous tous de faire de ce stream, selon les gens qui ont voté, le meilleur stream de la LCSE au niveau qualité de diffusion. Donc, merci beaucoup. Et d'être là année après année pour nous encourager. Mais donc, une petite affaire rapido, vas-y. Rapido. Ben aussi, ben merci. Merci à toi aussi, là, que ce projet des rebelles et de la LCSE, tout ça, ben soit possible, vraiment. Puis de faire cette diffusion depuis 5 ans maintenant, on a vu vraiment de tout, vraiment. Toi puis moi, dans League of Legends, on a eu des hauts, on a eu des bas, mais c'est comme ça qu'on continue à apprendre et à devenir meilleur. Et en tout cas, vraiment, amplement mérité. Vraiment, là, vraiment félicitations, sérieux, là. Merci, c'est très gentil. Merci encore à vous dans le chat, bien entendu, d'être présent et d'encourager à chaque fois à ce niveau-là. Mais on n'est pas là pour se taper dans le dos mutuellement. On est là pour voir du League of Legends, bien entendu. Et on va se préparer pour le match numéro 2 qui va débuter dans un instant. Les rebelles ont le choix du côté pour cette rencontre et vont choisir de jouer du côté bleu. Donc, on reste des mêmes côtés de part et d'autre. Et on va dire que les joueurs, on est prêts de notre côté. La régie, on va être prêt pour cette draft, bien entendu. Voir qui... est prêt. On est prêt des deux côtés. Je pense qu'on va être prêt à débuter déjà la draft dans un instant. Blake, je ne sais pas si, comme moi, tu es très excité, mais j'ai hâte de voir si les rebelles vont pouvoir faire une réplique. Alors, écoute, ça va être intéressant de voir quels seront les changements que les rebelles pourront appliquer pour ça, étant donné que là, on joue encore une fois dans le blue side. Ce qui va être intéressant à regarder, c'est de savoir est-ce qu'on veut, encore une fois, sécuriser la Miss Fortune? Parce que moi, je pense que côté Québec MBR, si on veut rejouer la Orianna, ce qui est honnêtement, Orianna n'est pas mauvaise, on pourrait regarder peut-être pour le first pick au lieu de regarder Miss Fortune. Comme ça, on va laisser le temps du côté de Onsic de voir quels seront
la botlane adverse. Et on en a parlé, toi puis moi. Virtuoev, très habitué de jouer des champions enchanteurs. Donc, est-ce que on veut repartir enchanteur? Est-ce qu'on veut repartir sur le Rakan? Qui, on va être honnête, le Rakan, un très très bon pick ouais. dans cette game-là. C'est juste que malheureusement, les Grand Entrance n'étaient pas là, les Ultimates n'étaient pas là. On avait fait beaucoup d'overextending, malheureusement. Mais le pick n'était pas mauvais théoriquement sur papier. Donc, à voir, est-ce qu'on veut faire des changements de ban aussi? Parce qu'en ce moment, les quatre mêmes bans sont identiques. On avait banni le Thresh, on avait banni le Ornn et on avait banni la Morgana en troisième du côté des rebelles. Est-ce que cette fois-ci, on veut bannir quelque chose d'autre? Le Gnar qui peut être une option. Il y a aussi le Vladimir de Pietrovic qui a aussi fait une très très belle performance, franchement. Pareil pour le Blitzcrank de Ban Myself ouais. qu'on doit vraiment pas oublier. Exactement. Donc, beaucoup de choses à surveiller. On étudie vraiment et on peut s'adapter vraiment, je pense, à ce niveau-là. Le Gnar, je pense qu'on veut vraiment mettre une pression parce que il était capable de shutdown Princesse Lilia, qui était le meilleur joueur des rebelles, en tout cas sur papier, qui pouvait faire le choix. Mais sur la Poppy, les duels étaient quand même serrés, mais c'est surtout la pression dans les combats, le kite qu'on avait, qui était énorme. Ouais. On va enlever le Gnar et on va attendre le dernier ban du côté des aigles. Et ça sera la Evelynn de Nere qui sera retirée des mains des rebelles. Les rebelles ont le premier choix. Et voyons voir ce qu'on va choisir pour ce match numéro 2. Et comme ce qu'on a dit, si on veut regarder ce qui est populaire en ce moment dans les first picks, c'est beaucoup soit la jungle ou soit la mid lane. C'est vraiment les deux rôles qui sont populaires en ce moment dans le first pick. Donc ça me surprendrait même pas si on décide de faire genre un flex pick ou quelque chose comme ça, comme une Morgana par exemple. Morgana, tu peux la jouer en support. Tu peux aussi la jouer dans la jungle ouais. avec tous les buffs qu'elle a reçus dans la jungle. Et même récemment, la patch précédente, la 13.21, on a augmenté le W de la Morgana. On a augmenté, je pense, un 10% sur le damage des monstres. Donc vraiment, son clear, c'est sûr que c'est pas le meilleur clear de l'univers avec tous les champions qu'il y a en ce moment, mais quand même, est dans la moyenne de clear. De faire un full clear en tant que Morgana. Et Antic qui vont répliquer avec une Lux, et encore une fois, pareil, vraiment du flex pick un peu partout, mid ou support du côté de cette Lux. Exactement, on a des flex picks de part et d'autre. On a même vu par le passé les rebelles jouer la Morgana en solo lane, top, mid aussi. Donc c'est pas une impossibilité, vraiment un flex pick qui leur donne beaucoup de latitude. Et on réplique avec l'équivalent de Morgana dans le kit, la Lux qui a un kit très semblable de base à ce niveau-là. Donc on réplique à ce niveau-là avec un choix assez flexible. Et on va sortir dans la jungle Olaf qui va être sélectionné pour la formation des aigles en deuxième choix. Et ça, c'est très très bon contre Morgana, juste pour arrêter tout le CC de cette Morgana. Donc avec le Ragnarok, on va probablement, si c'est dans la jungle, on va partir sûrement sur le Smite et le Ghost, donc qui est une belle synergie avec son Ragnarok, donc l'ultimate qui donne un petit peu de movement speed. Rajouter le Ghost. Vraiment, il va cibler une personne et ça sera la backline. Et Nere qui va verrouiller le Panthéon pour l'équipe des rebelles. Donc vraiment, les champions, il peut vraiment aller partout pour le moment. Mais là, avec le Nocturne, là ça commence à montrer les cartes du côté des rebelles. Le Nocturne que Nere est très populaire, vraiment. Un de ses champions les plus... Les plus utilisés, je dirais, avec Evelynn, qui malheureusement a été bannie. Donc Panthéon risque d'être dans la top lane, et avec cette Morgana qui a été verrouillée en first pick, il y a encore la possibilité de mid et aussi support. Oui, exactement. On garde quelques choix ici et ça sera Sivir dans la bot lane. Très bon aussi. Donc probablement, on va chercher immédiatement un combo avec la Lux peut-être dans la bot lane, avoir du poke. Donc on verrouille peut-être la bot lane immédiatement. Ça, c'est ce qu'on va voir avec le reste de la draft. Alors, la draft, dis-je bien, alors qu'on va amorcer la deuxième phase de bannissement pour ce match numéro 2. Et si je suis côté Antic, moi je dirais on se concentre sur des ban AD Carry. Vraiment, bannir la Caitlyn, ça serait le plus important, je dirais, pour empêcher, bien évidemment, si on joue Morgana en support, ben le binding suivi de la trappe après. Donc vraiment, les traps qu'il faut faire très très mal avec le headshot,
qui a été buffé un petit peu au niveau du buffing, au niveau du crit. Pareil avec le Ace in the Hole. Donc, on favorisait le build de crit et non le build de létalité qui était populaire avant les changements qu'elle a reçus. Ou sinon, ben, I guess qu'on peut regarder sur la Nico, qui est aussi un autre ban qui peut être à regarder. Rebelles qui vont continuer la même série de bans avec la Talia. Donc des bans qui sont très similaires. La Talia qui a été bannie, qui était aussi bannie en quatrième du côté des rebelles. Et Antic, on doit bannir la Caitlyn. Moi, je pense que c'est vraiment la menace principale. Mais finalement, on veut regarder sur la Poppy, Princesse Lilia, qui vraiment a fait du bon travail. Malgré le désavantage qu'il avait contre le Gnar en early game, a été capable de revenir, prendre la première tour de la game, et vraiment très bien joué. Et Rebelles qui vont probablement bannir le Vladimir contre Pietrovic, qui probablement serait la meilleure option. Oui, justement, donc on a vu la possibilité de l'enlever. Tu en as parlé au début de la draft, donc on va le faire cette phase-là, alors qu'on n'a pas focus la mid lane. Donc on va se libérer d'une possible épine dans le pied. Regardons voir qu'est-ce qu'on va jouer aussi, parce que là, on a quand même beaucoup, à part pour Nocturne, c'est quand même assez flexible au niveau des choix qu'on a pour les rebelles. Donc on dévoile pas tant nos cartes pour ce match numéro 2. Alors qu'on va voir, est-ce que oui, c'est la Akali qui va être verrouillée comme quatrième choix, donc dans la mid lane ou peut-être au top aussi, c'est pas impossible. Dans la solo lane, du moins, on aura une Akali qui peut être très dure à gérer si on ne comprend pas comment bien se positionner et comment lui mettre beaucoup de pression. Et aussi, quel champion on va jouer contre une Akali, ça c'est vraiment la question à regarder du côté des rebelles. Une des options, ce serait de ne pas prendre la Orianna. Le Kassadin, ça, par contre, j'aime mieux que la Orianna. Là, on joue vraiment sur le mid to late game dans la composition des rebelles. Le scaling d'un Kassadin fait très peur. Mm-hmm. Et c'est un des champions que Québec NVR adore jouer. Ouais, son champion de prédilection dans la mid lane peut être très, très, très agressif. Parfois trop, mais... C'est le rôle du Kassadin un peu à ce niveau-là. Quand même assez squishy par contre. Et on va y aller avec le carry Camille dans la top lane. Bruiser Fighter Camille qui permet d'avoir de bons trades. Princesse Lia adore combattre 1v1 dans la top lane ou même 1v2, mettre de la pression sur l'adversaire. Et Camille est un champion qui va lui permettre d'exécuter cette tâche. Et on va regarder pour le dernier pick parce que Olaf peut être au top. Peut être dans la jungle, t'en as parlé tantôt. Ouais. Et on va regarder Naafiri qui sera peut-être pick. Et ça sera pick du côté de Antic. Donc Naafiri sera le dernier pick. Et vraiment, ça peut être une Akali top avec la Naafiri mid et Olaf dans la jungle. Je pense que ça peut être une des options. Je sais que Naafiri peut être joué dans la jungle, c'est pas le meilleur champion pour ça. On est plus habitué dans la mid lane, jouer avec ses pack mates pour faire du trade supplémentaire contre le champion adverse. Donc je sais pas, c'est quelque chose qu'on devra regarder, mais du côté des rebelles, ça joue beaucoup au niveau du scaling. Beaucoup de roaming avec les ultimates qu'on a de côté rebelle, l'ult à Panthéon, l'ult à Nocturne. Vraiment, on peut attaquer de loin pour assister dans le fight. La seule chose que j'ai peur, c'est qu'on manque ce côté frontline tankiness du côté des rebelles. Néré qui a pris Panthéon, je pense pas que c'est Panthéon dans la jungle, bien évidemment, mais ça va être Panthéon top. On va pas partir sur un build genre tankiness, tout ça. On va vraiment partir sur probablement le build de létalité classique qu'on voit côté Panthéon. Donc, ce que j'ai peur, c'est qu'avec ce manque de tankiness-là, ça pourrait permettre à cet Akali d'en profiter, de faire le burst qu'on veut voir sur un Akali. Même si côté Québec NBR avec le Kassadin, le Q-Spell qui donne un petit Magic Shield... Donc pour absorber le 5-point stack du côté de la Akali. On rappelle rapidement dans le chat, si vous voulez vous exprimer, c'est le temps. Qui va l'emporter suite à la draft que vous voyez pour le match numéro 2? Est-ce que les rebelles vont provoquer un match numéro 3 ou les aigles du Collège Antique vont l'emporter 2-0?
Alors, c'est à vous de décider dans le chat et de vous exprimer. C'est gratuit, donc faites-le. Toujours un plaisir d'avoir le pouls et le feeling du Twitch chat lors des matchs des Rebelles. Alors que les joueurs sont en train de préparer ce match numéro 2, on y a été vraiment du côté des Rebelles vers des choix beaucoup plus confortables, j'ai envie de dire. Beaucoup, oui. Beaucoup de picks principaux. Pas seulement, j'ai envie de dire, des one-trick, mais des champions... où ils sont plus à l'aise de mettre de la pression sur le queue, où ils jouent plus à ce niveau-là. Par contre, pas tant de CC en tant que tel ou de pression énorme pardon, qu'on peut amener. Je pourrais dire la même chose sur ce match-là du côté des Aigles. Beaucoup moins de CC de zone qui peut être exercé, mais beaucoup d'options pour engage rapidement, que ce soit oui. avec l'ultimate de Sivir pour se déplacer, la Akali qui peut foncer rapidement. Même chose pour Naafiri qui a un kit assassin pour aller chercher une cible au loin derrière. Olaf va sûrement rouler, utiliser Ghost et Smite comme Summoner Spell dans la jungle, donc il a jusqu'à courir en ligne droite avec le Ragnarok, et Lux peut tranquillement rester derrière, a la portée pour engage et poke de loin à ce niveau-là. Donc vraiment une bonne composition pour engage et foncer en équipe du côté des Aigles. Pour les Rebelles, c'est un peu la même chose. On a moyen d'avoir des picks, mais c'est pas tant des picks en teamfight. Ça va être des picks plus individuels, à mon avis. Si on a un Dark Binding avec la Morgana, on va aller chercher un pick. Le Panthéon aussi, c'est plus des picks individuels qu'on peut prendre. Nere sur le Nocturne, ça va être la même chose aussi. Kassadin dans un teamfight peut quand même être intéressant pour le dégât de zone en tant que tel, mais ça prend du temps. Il faut lui gagner du temps. Et est-ce qu'on va être capable de gagner du temps? C'est ça qui va être très important de voir. Et Camille aussi peut faire des bons duels. Même en 1v2 peut s'en sortir, peut mettre une bonne pression et aller prendre un kill assez rapidement. Mais on est plus en mode duel aussi à ce niveau-là. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. La draft est quand même intéressante. Et au niveau du public, on prédit à 63%, les votes sont terminés. 63% des gens sur Twitch pensent que ce sont les Aigles qui vont remporter ce match numéro 2 qui va débuter dans moins d'une minute. Et je peux comprendre aussi le fait que Antic ont l'avantage. On a vu vraiment comment ils ont joué dans la première partie. Très propre. Les rotations étaient très bien. Vraiment une belle macro du côté des Aigles. Et là, ça va être quand même un bon défi pour Antic, parce que là, on ne joue pas Blitzcrank, on ne joue pas un champion support tank qui est habitué à faire du roaming. Là, on joue une Lux qui va probablement rester plus souvent au bot pour mettre de la pression, avoir cet avantage dans la botlane pour permettre à Giuseppe Real d'avoir ce confort pour farm et de scale, bien évidemment, parce qu'on doit regarder cette Sivir lorsqu'on aura bien évidemment Kraken et la Navori Quickblade. C'est à partir de ce moment-là que Sivir est vraiment unleash et à respecter aussi les ricochets de cette Sivir qui pourrait changer un teamfight rapidement. Mais quand même, surveiller le Kassadin, quelque chose de très important à regarder, parce qu'un Kassadin, peu importe le goal de retard qu'on ait, un Kassadin level 16 peut vraiment changer une game en une fraction de seconde. Donc très important à surveiller Québec NBR, et je pense que les Aigles le savent très bien, et je crois qu'on risque peut-être de continuer à focus Québec NBR. Oui, je pense qu'on va continuer de ce côté-là, essayer de le punir dans son agressivité. Est-ce que ça va être le style de jeu qu'on va voir aussi avec la flexibilité qu'on a du côté adverse, du côté des Aigles? Beaucoup d'options pour aller le chercher rapidement, et surtout précise qu'Assadin doit être très 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 prudent, parce qu'on n'a pas tant de dégâts aussi à ce niveau-là. On dépend beaucoup des items qu'Assadin, tu l'as dit, le mid to late game, aller chercher Rod of Ages, Rabadon, d'autres items, Seraph aussi, justement pour la mana qu'on veut accumuler au besoin. Tout dépendant, il y a différentes options et d'autres builds aussi possibles, mais on est dépendant au moins d'avoir la Rod of Ages très souvent et commencer à stack, aller chercher le niveau 16 qui est souvent le niveau critique, où est-ce que là Kassadin est en pleine possession de ses moyens grâce à l'ultime. Donc c'est vraiment ça le point tournant. Les Rebelles vont devoir jouer de la façon qu'ils savent si bien le faire, c'est-à-dire étirer le match et focus pour le late game. Il va falloir faire attention
Parce que en termes de late game, les Aigles ont aussi une formation qui peut faire peur passer les 35 minutes. Ouais. Et on va arriver probablement dans la partie dans moins de minutes. Moins de minutes. J'avais oublié le 3 minutes de délai pour une raison qui m'ignore. Malgré toutes ces années, j'ai dit ah, parfait, il reste 50 secondes, let's go. Mais non, il reste 3 minutes. Mais je peux comprendre aussi parce que quand on avait fait la dernière fois, le délai en spectate, il était comme pas là. Puis on est arrivé tout de suite dans le game. Fait que je pense qu'on avait. On s'est dit ah, peut-être ça va continuer encore. Je peux comprendre. Moi aussi, on y croyait. On y croyait pour ça. Mais oui, non, franchement, ce scaling de Kassadin est très important à checker. Naafiri aussi, c'est là où est-ce que aussi je regardais sur cette Naafiri. On va obtenir des informations lorsqu'on va rentrer dans le game où se trouve cette Naafiri. In-game, mais toi, je pense que tu as le client devant toi. C'est Naafiri mid lane à Kali top. Okay. Donc, on les voyait solo lane, c'était une possibilité. Olaf dans la jungle, peut-être top, il y avait l'option aussi avec Naafiri jungle. Fait que il y avait peut-être un petit flex qu'on pouvait faire. Mais oui, ce sera bel et bien une Naafiri mid et Akali top lane. On voit le Copoyo, son style de jeu très différent aussi. Ça, j'ai hâte de voir, honnêtement. On passe de Amumu à Olaf. Donc, quand même, j'ai hâte de voir comment on va jouer. Est-ce qu'on va être tout aussi agressif pour la suite du match. Et on arrive dans la rencontre. Mesdames et messieurs, c'est parti. 1-0 pour les Aigles du Collège Onsic contre les Rebelles du Cégep de Sorel Tracy. Premier match, première semaine de la Ligue collégiale de sport électronique. Est-ce que les Rebelles vont provoquer un troisième duel? Ou bien est-ce qu'on va repartir 2-0 pour les Aigles d'Onsic? C'est ce qu'on va savoir au cours de la prochaine heure. Bon match à tous! Et honnêtement, c'est bon des deux côtés d'avoir mis Akali au top parce que du côté de la top lane, ça va être une bonne nouvelle pour Princesse Lilia parce que le passive, étant donné qu'on joue une Akali, le shield qu'on va recevoir côté Camille sera un shield, un magic shield au lieu d'un physical shield. Donc ça va aider pour les trades. Mais du côté de la mid lane, ben c'est bon pour Pietrovic, étant donné qu'on joue on joue Naafiri. Fait que le petit Magic Shield de Kassadin, ben ça ne fonctionnera pas parce que c'est du physical damage qu'on va recevoir. Donc vraiment bon des deux côtés. Et aussi côté Pietrovic, ben en profiter. À moins que. Non, finalement, on fait des changements de lane. Princesse Lilia qui va être au mid. Et Québec NBR qui va être au top. Donc vraiment, on veut que cette Camille affronte Naafiri. Ben on veut profiter du Kassadin aussi, justement, qui va avoir des possibilités de peut-être résister justement un peu plus aux assauts de la Kali au niveau du bull qu'on va avoir. Camille va peut-être encaisser un peu plus les dégâts assassins qu'on va provoquer de l'autre côté par Pietrovic. On veut brasser un peu les cartes, alors pourquoi pas, j'ai envie de dire, pour la rencontre, essayer de voir comment on peut gérer le tout. Alors on va essayer de mettre Camille, justement, qui est complètement en mêlée, j'ai envie de dire. On n'a pas vraiment d'option pour harass la Akali. On va essayer d'aller sur un pied d'égalité contre Naafiri. Les deux champions vont être en mêlée à ce niveau-là. Donc ça va être intéressant de voir comment on va gérer ce match-up. J'ai hâte de voir comment Québec NBR va jouer dans la top lane, surtout. Est-ce qu'il va mettre son cerveau à off et jouer dans la solo lane island au top et farmer comme il sait si bien le faire? Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, je vais être honnête, sur un Kassadin. Mais est-ce que ce sera le bon choix? Est-ce qu'on va être capable de mettre la pression avec les deux téléportations pour les solo laners des Rebelles? Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que elle a plus. Plus je regarde, ben là, je remarque ça. En fait, ben, Placid Raven joue Panthéon AD Carry. Yep, donc, yep, en temps de rôle d'AD Carry, donc c'est pas quelque chose que je vois très très souvent. Mais c'est ça qui est fun du côté de la LCSA, c'est que tu peux voir des choses que t'aurais pas l'habitude de voir et de voir que ben, les stratégies différentes les stratégies différentes de la LCSE. Le backshake qui va être used, Placid Raven qui veut aller in sur Ban Myself.
Exactement, le binding qui manque par contre un double engage, mais manque de synchronisme pour les rebelles sur la contre-attaque. Il va falloir faire attention. Placid Raven va encaisser un peu. Par contre, Nocturne regarde pour mettre peut-être de la pression dans la botlane. Flash Exhaust qui a été utilisé par Ban Myself et deux Summoner Spell aussi pour les rebelles dans la botlane. Le Flash de Virzoev sur Morgana et le Ghost de Placid Raven alors qu'on voulait répliquer dans la botlane. Donc un peu de pression. On a eu chaud de part et d'autre. Par contre, on n'a plus tant de mana pour la botlane de l'équipe des Aigles, donc ça va donner un peu de souffle à la formation des rebelles. Et c'est dommage, côté Virzoev, encore une fois, on manque ça, flash-in de Placid Raven, on veut vraiment chercher cette luxe. Exactement, on manque les habiletés, par contre, on se fait root, et le First Blood va aller à Nocturne, par contre, le Panthéon tombe par la suite, et on donne un kill au AD Carry adverse. Et là, ça c'est peut-être dangereux, un peu tôt de greed, alors qu'on va prendre le kill au mid, Olaf s'est amené pour les renforts, et on donne l'avantage aux Aigles, 2 à 1 en début de rencontre. 2 à 1, Eric qui va chercher le kill, mais par contre, c'est Giuseppe pour le First Blood. Ça, c'est un peu dommage. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire côté Sivir? Est-ce que pour le recall, on veut regarder sur une call pour bien farmer? Excellent freeze. Par contre, du côté ouais. d'Antic, la wave qui ne va pas. Quoi? On va la push un petit peu juste pour être safe. Mais là, on peut plus recall par contre du côté des Aigles parce que Panthéon est arrivé au bot. Si on décide de recall maintenant côté Giuseppe, on va perdre une wave complète et ça pourrait être un peu dommage. Mais à regarder pour le premier achat. Exactement, on a perdu ça. Malheureusement, sur le gank de Nere au bot, on a manqué le Q de Nocturne. Si on touchait ce Q, honnêtement, on avait plus de dégâts et Panthéon ne devait pas rester subir une deuxième auto-attaque. Alors qu'on voit le burst, le spell shield qui est lancé. Placid Raven a quand même absorbé beaucoup de dégâts aussi, bien fait de son côté. Absorbé dans le sens, n'a pas subi les dégâts grâce à son bouclier. Donc, bien encaissé et peut-être voulait provoquer une peur du côté de la Sivir. Là, Morgana qui va toucher un minion, malheureusement. Virzoev un peu nerveux, je pense, sur Morgana. Essaye des nouvelles choses, des nouvelles compositions dans la botlane pour aider le Panthéon. Mais il faut jouer avec une meilleure synergie. Il faut que la botlane des rebelles se parle plus. Et c'est un peu leur défaut. Les deux savent bien jouer leur rôle respectif, mais se parlent souvent très peu au niveau du timing, communication. Akali regarde, avait l'ultimate disponible. Mais Kassadin va s'en sortir de justesse avec quelques points de vie. Pendant ce temps-là, au mid, on continue. Et Princesse Lilia, avec l'ultime, empêche Naafiri de s'en aller et Princesse Lilia prend sa revanche. Un premier kill dans la mid lane pour les rebelles. Et en fait, c'est une excellente nouvelle du côté des rebelles. Akali qui a utilisé son R2 aussi, on l'a pas vu, mais elle l'a utilisé très très près du côté de Québec NPR, donc pas une longue distance. Et malheureusement, pas suffisant. Même l'Ignite qui a été utilisé, donc vraiment beaucoup de ressources de use. Et côté Québec NBR, ben, on commence vraiment à chercher les items de scaling. T'as parlé de la Rod of Ages, mais aussi la Tear of the Goddess qui va commencer pour Québec NBR. Donc très chanceux pour ce Kassadin. Exactement, de justesse on a survécu, mais ça a fonctionné. Donc beaucoup de ressources, on sait que la Kali va être moins agressive. Du moins sans le Ignite, on va souffler un peu plus et les rebelles vont en profiter, mettre la pression et aller chercher le premier dragon de la rencontre, comme ils ont fait lors du match numéro 1. Et encore une fois, un dragon des montagnes qui sera le premier dragon de la partie. Avec ce qu'on a vu avec la pression de cet Akali, je crois que vraiment cette avance au gold va continuer de s'agrandir lentement mais sûrement. Ça se voit aussi au niveau des CS, déjà 20 CS d'avance sur Akali. Et Princesse Ilia, encore une fois, va tenter le damage. Exactement, on va tenter à avoir le Fear. Ça va être bien fait, le Nocturne qui s'est amené beaucoup de dégâts. On sait que Naafiri Squishy n'a pas tant de solutions pour s'échapper. Et là, c'était bien fait. On va prendre un kill sur la séquence. Le ult de Nocturne était nécessaire, je pense, si on voulait avoir le burst dégâts pour s'assurer de sécuriser le tout. Donc, bon réflexe et bonne synergie. Et on le voit quand Camille décide d'engager le combat, peut faire extrêmement mal. Et on l'a vu encore une fois au mid, presque fait un solo kill sur le jeu. Au moins, il aurait forcé obligatoirement Pietrovic à retourner à la base. Et c'est bien côté Nere, parce que vraiment des kills sur Nocturne, c'est huge. Placid Raven qui va aller in. On est les exhaust par contre du côté de Exactement, le qui est lancé aussi défensivement. On n'aurait pas chassé. Et c'est la sage décision, à mon avis. Placid Raven va se faire prendre. Olaf est là. Par contre, il va falloir être prudent. Beau binding de la part de Virzuev qui avait vu le tout arriver, avait flairé le déplacement du Olaf avec la vision grâce au Scuttle Crab qui était acquis dans la rivière.
Et on limite les dégâts. C'est la décision des rebelles. Ils ont vu, donc décide de désengage immédiatement. Et c'était le bon choix à faire. Ils ont vu, mais le Copoyo a utilisé son ghost très très tôt dans la River Podside. On l'a utilisé en même temps qu'on a pris, qu'on est arrivé au niveau du Scuttle. On voulait empêcher, je pense, le Panthéon de chase. Même si on était exhaust, Panthéon aurait pu s'amener. On savait plus si Panthéon avait son flash, justement, qui allait revenir, qui va revenir dans quelques secondes. Donc, on était peut-être pas sûr. Tout à l'heure, on a voulu s'amener rapidement pour protéger. Et bon, ça reste un summoner spell, tu sais, défensivement. En fait, pour le half, défensivement, dans le sens qu'on voulait s'amener rapidement vers la botlane pour couvrir nos alliés. Et ça a fonctionné en partie. Alors qu'on voit Ban Myself qui roam encore, va s'amener dans la midlane cette fois-ci. Un peu comme lors du match numéro 1. Continuer de le mettre de la pression et va laisser Sivir farmer seul. Giuseppe est capable de tenir le coup dans la botlane. Quand même un bon wave clear sur la Sivir. Maintenant qu'on est retourné à la base, qu'on est plein de vie, plein de mana. Donc on va pouvoir tenir le coup un petit peu quand même dans la botlane. Il y a beaucoup de dégâts sur Princesse Lilia, justement. Va falloir faire attention. Le Pietrovic va vouloir engage. Princesse Lilia n'a plus rien pour désengage. De faire attention. Placid Raven sur le côté. Vient surprendre, par contre, la Lux. Et va avoir le kill. Neris amène en renfort. On n'a plus rien pour le mid laner, malheureusement. Et ça va être le doublé pour le joueur de Panthéon qui s'était amené en renfort au mid. C'était à son tour de roam sur la carte. Il va chercher deux kills importants. Les rebelles prennent les devants par 1000 gold. Très important aussi, Placid Raven a toujours son ultimate, donc on peut utiliser le Grand Skyfall dans la bot lane pour éviter que Giuseppe prenne trop de CS, parce que là on laisse cette Sivir farm beaucoup trop longtemps. On doit, côté Placid Raven, on sait qu'on veut recall, on a cherché un double kill, c'est beaucoup de gold, mais on va ultimate sur cette Sivir, mais la Lux est présente aussi. Exactement, on est prêt défensivement au besoin, on va se reculer. On a encaissé beaucoup de dégâts, parce que Placesse Lilia s'amène en renfort au besoin. L'ultimate de Giuseppe, c'est ce qu'on voulait voir. Est-ce qu'on utilise une ressource? On était prêt à rentrer dans la mêlée au besoin. Placesse Lilia attendait juste qu'on se rapproche d'un mur au besoin, avec l'ultimate pour intervenir. Mais finalement, on va utiliser un ult de part et d'autre pour les botlaners. Et pendant ce temps-là, une bonne vague de sbires au top. On met de la pression. Québec NBR a de la misère, essaie de farm le plus possible, mais n'a pas d'item dopé pour l'instant. Oui, on se calme un petit peu sur la mana quand même pour le Cassadin, mais on n'a pas vraiment d'item pour nous aider à combattre ou duel cette Akali pour le moment. Et là, on doit se contenter de farmer, de limiter les dégâts. Limiter les dégâts, mais aussi de farmer le mieux possible pour aller chercher cette Rod of Age le plus tôt possible pour bien commencer à stacker cet item mythique, mais aussi, une fois que ça sera complété, d'avoir un niveau gratuit pour se rapprocher de ce niveau 16 qu'on a parlé, vraiment le niveau favori de Cassadin pour vraiment commit dans les prochains teamfights. Mais au final, en ce moment, côté rebelle, ben, on est capable de bien faire les choses et Princesse Lilia qui va tenter de s'échapper. Le terrain nocturne qui arrive en renfort au besoin pour mettre de la pression. Là, on doit flash out. Et là, on va tenter de contenir là, Olaf à le dégât. Il y a 1v2. Olaf n'a pas tant d'items, n'arrive pas à faire le travail. Et Princesse Lilia a bien joué sur la séquence. Le stun qui va surprendre. Oh! C'est amené rapidement. Le flash stun va l'éliminer. Et le toutou va se coucher dans la bitlane. Pietrovic tombe pour une quatrième fois en 12 minutes. Et encore, et vraiment, à chaque fois que Pietrovic veut faire un engage, on utilise le Call of the Hunt, mais on n'est pas capable de faire des affaires. Oh, l'ultimate de Ban Myself qui va être used, mais on n'a pas été capable à chaque fois qu'on tente de faire le dragon, on tentait de mettre de la pression et voler, mais on n'a pas tant de dégâts sur la Lux, effectivement. Mais comme ce que je disais, on veut aller in, Neri est présent. On utilise la paranoïa, on arrive pour aider son coéquipier. Ça fait 3 fois de suite que Pietrovic essaie quelque chose, mais sans succès. Très bien, très bonne, vraiment de très très bonnes réponses. Beaucoup plus réactif comparé à la game 1. Ouais, c'est ça, on joue mieux jusqu'à présent. On est sur un peu plus de confort, mais quelle pression qui est mise alors que Capac Nibéa essaie de jouer sous la tour pour mettre la pression. Et ça va être réussi. On réussit à Artsmart, la Kali qui était trop agressive, qui a lancé le Ignite. Mais cette fois-ci, le positionnement de Capac Nibéa a laissé la tour travailler grâce au Riftwalk. Et bien fait ici, Capac Nibéa va chercher un premier kill qui va l'aider. Et immédiatement, on va acquérir la Rod of Ages pour le joueur de Cassadin. Alors ça là au mid, on met de la pression, Princesse Lilia doit se replier, le Ignite qui a été lancé et on va survivre de justesse, on va aller chercher
justement un peu de soin sur le côté et revenir dans la lane. Nocturne était prêt à intervenir avec le paranoïa, mais on est bon point de vide. Là, on va vouloir intervenir immédiatement, justement, parce qu'on est capable de mettre de la pression et s'amener. On réussit à avoir le fear, mais là, Olaf est là. Est-ce que ça peut surprendre? Petrovic va tomber. Princess Lia arrive à s'éloigner. Nere, par contre, doit backer. On est dans le Ragnarok pour le Olaf avec le Ghost, mais on n'arrivera pas à vraiment sortir le dégât. Panthéon arrive avec le Grand Skyfall. Va utiliser le Ghost, utilise le dive. Non, finalement, on va décider de replier. Le ult est un peu tard, par contre, et on va décider de retourner dans la botlane. Néanmoins, quel jeu de Princess Lia qui a temporisé le tout et bait Petrovic à s'avancer, forçant Nere à utiliser le paranoïa et surtout Petrovic à tomber dans le piège dans la mid lane. Ah, là, un peu dommage au niveau de l'ultimate de Placid Raven, un petit peu trop loin dans la mid lane. Ouais. Si on était un peu plus court, peut-être on aurait été capable de faire le CC sur le Olaf et de peut-être soit de le tuer ou vraiment être très près de l'éliminer. Mais aussi, côté des items, faut regarder aussi pour Nere, parce que Nocturne, ce qu'on est assez populaire à voir, par contre, beau petit binding, le damage, ben, avec le Black Shield plus le Shield de Panthéon, on va bien absorber. Mais comme j'allais dire, la létalité de Nere, je pense que ça va être quelque chose qui devrait être à continuer pour les prochains items, parce qu'on n'a pas de tankiness du côté de Huntsic, donc Nere peut partir sur vraiment un build quasiment à 100% de les full létalité pour faire le burst sur Ban Myself et de Giuseppe. La Yumu's Ghostblade. Oh, j'ai de voir ça. Yumu's Ghostblade qui est acheté de Giuseppe. On va peut-être sur un build létalité civile. Du moins, on va provoquer un peu plus de vitesse de déplacement. Donc, choix intéressant. Alors, Nocturne va s'amener pour dive ici. Voir le spell shield. On va se le flash. Et là, on a presque eu avec le Q de Panthéon un crit sur la séquence. Placid Raven doit se repositionner et faire attention à la Sivir qui est on the hunt présentement. Les rebelles doivent se replier. Beaucoup de mana par contre pour la Sivir. On a les basic attaques, mais pas grand-chose pour suivre. On a le binding ici. Et on va utiliser immédiatement le cleanse pour Giuseppe. On ne prendra pas de chance. Et là, beaucoup de ressources utilisées dans la botlane. Aussi, Ban Mycel qui a été obligé de flash et exhaust défensivement sur la Lux. Pendant ce temps-là, Olaf faisait le héros de la faille dans la top lane. Tranquillement, faisait ses petites choses et continue de farmer afin d'essayer de pouvoir mettre de la pression sur la faille de l'invocateur. On arrive à 16 minutes dans la rencontre. 9 à 3 pour les rebelles. Très bon début de match pour la formation sorelloise. Et quelque chose que je veux comprendre au niveau du build, c'est la Yumu's Ghostblade côté Sivir. Apparemment, c'est quelque chose que certains joueurs de Sivir vont faire. C'est pas, par contre, le plus populaire. Ce qui est le plus populaire, et ça restera toujours le même, c'est la Novori Quickblade. Ouais. Parce que, pour les auto-attaques, ben, tu permets de tout simplement avoir refund le cooldown de tes sorts excluant ton ultimate. Donc, c'est parfait pour ton shield, W, le pour Q, le spell shield, le W, pour spammer tes ricochets. Donc là, que tu perds cette possibilité de spammer tes sorts, on devrait être beaucoup plus prudent côté Giuseppe. Mais vraiment, c'est le build létalité. Je pense que vraiment, je ne sais pas quel item on va regarder en deuxième. On est parti sur une Lost Chapter. Mais si on pense que c'est la létalité, ben, on a quand même de bons items qui pourraient partir là-dessus, alors que Princess Lia Valiant, plus de Spell Shield. Et là, et voilà, on va amener le dive ici immédiatement avec l'ult. Et Panthéon trouve la lance dans le cœur du AD Carry adverse. Et ce sera la première mort de Sivir, qui n'avait nulle part où aller. Panthéon, 4e kill par contre. Regroupement près du dragon, ça peut être une mêlée qui peut être dangereuse pour les rebelles. Le Final Spark de la Lux fait beaucoup de dégâts et le shutdown qui va arriver. Petrovic va trouver enfin un kill dans la mêlée. Akali s'était amené aussi avec la téléportation. C'est très chaotique. Et c'est un combat qui va aller en faveur des aigles. Le triplé pour la Kali qui s'était amené au mid. Par contre, Québec NBR va s'amener, va prendre un kill sur la séquence. Et est-ce qu'on veut continuer à chase? Il a son ultimate et les full mana. Il peut y arriver. Il évite les ébletés. Le Olaf n'a plus rien. Est-ce que Québec NBR va décider d'engage? Va continuer à faire de dégâts. Ça rampe up en ce moment. Est-ce qu'il va continuer à vouloir dive sur la tour? Il va être prudent. La Kali n'a pas beaucoup d'énergie. Va recharger avec le Twilight Shroud. Et on va désengage. Mais quel combat qui était important pour les aigles. Et ces derniers ont réussi à surprendre les rebelles près du dragon. Eux qui s'attendaient pas à les voir arriver, regroupés ainsi près du buisson. Manque de vision sur cette séquence. Et les aigles montrent aux rebelles qu'ils ne sont pas vaincus. Et tous les kills, et ce qui est excellent, Antique, pour Edgar Hiop, c'est
tous les kills sur Akali et c'est vraiment le champion que j'avais peur au niveau de la draft de Antic. Le burst de damage qu'on pourra faire pour les teamfights, on l'a vu. Et c'est très très bien. On va retenter un autre Final Spark côté Ban Myself, mais c'est très difficile un ultimate de luxe contre un smite de 1200 de dégâts. Très compliqué. Mais pour une Akali, on est très content de ça. Ça donne une lueur d'espoir. Le gold est quasiment égal. Donc je crois qu'on sait quoi faire maintenant du côté de Nerij. On connaît quelle sera la prochaine cible lorsqu'on va utiliser la paranoïa. Et là, si on est capable de tuer cette Akali, je pense qu'avec ça, les rebelles seront capables d'éliminer les autres joueurs des aigles pour peut-être aller chercher un objectif majeur. Voilà, on va surprendre la Luke sur le côté. Ici, Princesse Lilia est là pour prendre le kill. On veut donner un peu de kill à Princesse Lilia pour carry. Et là, on va surprendre ici le Olaf sur le côté. Il va avoir le Ragnarok, mais n'arrivera pas à se sauver, malheureusement. On est peut-être immune au CC, mais on n'est pas immune aux prisons, malheureusement. On ne peut pas s'enfuir. Et on va prendre deux picks pour les rebelles. Et je parlais qu'on a une bonne formation pour prendre des picks individuels. Les rebelles viennent de le prouver sur ce combat. Et double leur avance au pointage au tableau indicateur, 14-7. Alors qu'on approche de la 20e minute, le Baron Nashor va faire son entrée sur la carte. Et même si la Akali a tellement de kills, les joueurs des rebelles ont une belle répartition de kills au total. Oui. 2 kills sur Quebec NBR, 2 kills sur Nere, 5 kills sur Lilia et Placid Raven. Un beau binding, mais on est sous la tour. On peut tenter de faire du dégât supplémentaire avec la lance du Panthéon. Mais même si... même avec les kills, on sera pas capable d'absorber tout ce burst de dégâts qu'on peut faire du côté des rebelles. Regardez-moi ici le dégât qu'on vient d'exercer. Ça. Exactement, presque la moitié des points de vie en une seule attaque. On avait le Empowered Q quand même sur la séquence et le Divine Sunderer, mais néanmoins, le dégât ici était monstrueux. Et on va prendre la première tour à 20 minutes, quand même une tour assez tard, qui va aller dans les mains de Quebec NBR. Donc, va aller chercher un petit peu de gold. Et Quebec NBR, déjà 7 stacks sur la Rod of Age, donc va s'amener lentement, mais sûrement près du niveau 16 d'ici 2 minutes, peut-être 3 maximum. Honnêtement, moi je crois que vraiment au début de la 24e minute, on va avoir ce level 16. Il y a un peu en pétrin ici, utiliser les items défensifs, mais va se tomber ici. On a tout claqué par contre avec le Ghost, avec l'ult de Pietrovic, le Ignite aussi de ce dernier. On va prendre un pick important vers Zoev ici en mauvaise posture. Il voulait enlever les wards, mais on savait pas où était l'équipe adverse. Va lancer le ult, mais un peu désespéré, trop peu, trop tard. On avait la Zonia's Hourglass aussi, mais je pense que c'était une manœuvre désespérée. On aurait dû garder l'ultimate. On avait nulle part où aller, aucun allié proche. C'est vraiment un réflexe d'essayer d'ulter Zonia à la toute fin. Et je pense qu'on aurait dû conserver le tout pour Virzoev sur la séquence. Et là, on vient de prendre deux picks pour la formation du Collège Onsic. Et dommage aussi au niveau de la War... Oh, l'ultimate, on veut commit sur la Naafiri. Exactement, le flash qui va être lancé. On va être capable de chase. Il n'y a pas de tour, par contre. Est-ce qu'on est capable d'avoir le Fear? Nere va y aller. Et... attention à la télépartition derrière. Nere, profondément territoire adverse. On va tenter de peel pour l'équipe adverse avec... Edgar qui va se replier sur la Akali, mais Quebec NBR était là aussi justement en renfort au besoin. Pendant ce temps-là, on met de la pression au mid Québec, pour Quebec NBR, pardon, mais Princesse Lilia tente de mettre de la pression, avait l'ultimate de disponible au besoin. Il s'attendait pas à faire aussi de dégâts, je pense, sur la Lux, mais va pas gaspiller l'ultimate sur le support adverse. Aurait pu quand même prendre un autre pick, ça aurait pu être intéressant. On va laisser aller le tout finalement. Il aurait pu, tu as tout à fait raison, il aurait pu vraiment bien commit au maximum pour aller chercher des kills. Et c'est à partir de ce moment-là que les kills vont être très importants. Le dead timer aussi qui commence à augmenter. Donc avec le dead timer qui va augmenter, ça va permettre aux rebelles ou aux aigles de regarder pour des objectifs très importants. Le dragon, surtout, très important parce que les rebelles ont déjà 3 dragons. Ils sont en Dragon Soul Point, le prochain pour donner cet Ocean Soul. Et on va être très déçus de côté de la Akali si jamais on a le Dragon Soul Rebelle. Voilà, on vient de provoquer quelque chose ici avec le paranoïa de Nocturne. Et c'est la clé ici. On essaie de punir Pietrovic. Avec le match numéro 1 qui l'a fait subir aux rebelles, devrais-je dire. On va vouloir mettre de la pression et on se dirige vers le Nashor. On sait que c'est Dragon Soul justement et on va ping du côté
des aigles pour se diriger de ce côté-là. Les rebelles le savent, ils n'ont pas à vraiment se battre contre ce dragon. Et sage décision d'aller vers le baron. Par contre, on le fait quand même assez lentement. Et là, on avait Québec NBR sur le site qui était en train de continuer le split push. Va se faire voir dans la bot lane. Et ça va dire aux aigles peut-être qu'on se dirige vers le bot justement. On se doute pas du tout qu'on fait le baron. Et ce sera acquis, jeu de puissance sur Eltracy. Ils vont chercher le baron à 23-38 dans la rencontre. C'est dommage par contre, moi c'est sûr que c'est bien un baron Ashor pour augmenter l'avance au gold, mais moi j'aurais préféré d'aller tout de suite au dragon, d'aller chercher le dragon. On avait un joueur en moins côté les aigles, ça leur aurait été à l'avantage du côté des rebelles no matter what, surtout avec Québec NBR qui est rendu level 16, donc le chiffre magique d'un Kassadin, et on aurait eu l'avantage pour ce dragon. Ça aurait été un Dragon Soul aussi qui est un buff permanent et non un buff temporaire comme un baron Ashor. Question importante, c'est comment les rebelles vont utiliser ce baron. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher des objectifs? La tour au mid, très très low en HP, mais du côté des side lanes, ce sont des T2 à aller chercher et non des T1. Donc un peu plus loin à aller chercher. Et Québec NBR qui veut commencer à faire ça aussi, surveiller le damage de Bad Myself. On a pris quand même un gros chunk de damage sur Placid Riven et on risque de se faire tomber par cet Akali. Exactement, on va être obligé de flash, mais on va tomber sur la séquence pendant ça. Princesse Lilia en duel dans la top lane va tomber ici. Double kill pour la Akali qui a été fait. Ce sera 3 picks. Les rebelles n'arrivent pas à profiter du baron Nashor et on tombe au combat en étant peut-être mal positionné en voulant mettre de la pression. Au lieu de regrouper et pousser les tours avec les sbires, eh bien, on ne prendra aucune tour. C'est en fait le goal, l'avantage de goal qui va s'effondrer. Alors qu'on est seulement à 1500 gold sur ce jeu de puissance des rebelles, avec la moitié du temps qui reste, Nerith va foncer, on va concéder une tour, on tombe à 500 gold seulement. Est-ce que Nerith va prendre un pic? Oui, mais va tomber et donner du gold à l'équipe adverse. Et là, soudainement, le jeu de puissance des rebelles vient de disparaître et fondre d'un coup sec. On est à 0 gold d'avance sur ce jeu de puissance. Écoute, vraiment, on n'a pas été capable de faire quelque chose et... Encore une fois, on veut trop aller vers l'avant du côté des rebelles. L'ultimate anéré n'est pas nécessaire de foncer dans le tas. On n'avait pas le choix de give la tour. Donc juste donner la tour, rester en vie, conserver ce Baron buff pour faire tout simplement pour faire quelque chose. Là en ce moment, il ne reste plus que Québec NBR qui a le Baron buff. C'est le seul à tenter quelque chose. Et il pourrait essayer de regarder dans la bot lane, mais avec 25 secondes restant, ça sera très difficile. Princesse Lydia qui rencontre la Akali. On a un level de plus, donc on pourrait tenter de commit si on veut. Exactement. Est-ce qu'on est capable de sortir le dégât? Par contre, c'est quand même risqué. Akali a un bon burst aussi. Donc, on ne prendra pas de chance sur ce jeu. On a été que les rebelles, depuis 5-6 minutes, n'ont fait que 2 kills. Et Princesse Lydia et Placid Raven sont toujours à 5 kills jusqu'à date. Donc, n'arrivent pas à accentuer leur avance. Alors qu'on vient de terminer le jeu de puissance du baron justement ici. Et bien fait par les aigles qui ont anéanti l'avance des rebelles et détruit leur avantage de gold sur le dernier jeu. On est à égalité en ce moment, 27 minutes dans la rencontre. Et d'après moi, Blake, je vais être honnête, le prochain baron ou le prochain combat au dragon pour le Dragon Soul pourrait dicter les premiers inhibiteurs qui vont tomber. Probablement alors qu'on veut aller in. Et Québec NBR va tenter avec les ultimates. On a quand même 3 levels d'avance comparé à la Akali. Ça, c'est quand même gros. Grâce au split pushing de Québec NBR, il n'a que fait ça durant la partie. Alors que du côté de la Akali, ben, on a tenté de faire du roaming pour aider nos coéquipiers. Mais c'est au sacrifice de l'XP. Et c'est bien pour Québec NBR. On a l'avantage avec l'ultimate niveau 3 comparé à l'ult niveau 2 de la Akali. Et aussi à la Rabadon qui se rapproche dangereusement de Québec NBR pour avoir un build qui vraiment, lorsqu'on voit une Rabadon sur un Kassadin, on commence à avoir un petit peu on commence à avoir peur du côté des aigles. Donc on doit, côté aigle,
bien rester groupé jusqu'à la fin du match, empêcher le split pushing des rebelles et bien évidemment contester ce dragon qui est dans 40 secondes. Encore une fois, on rappelle, possibilité de Dragon Soul du côté des rebelles. Donc on doit reset maintenant, acheter de la vision, quelque chose juste pour être sûr d'avoir de l'information dans la Riverbot side. Il n'y a que Virzoev, que les deux control ward, aucune control ward du côté des aigles dans leur inventaire. Dragon dans 15 secondes, ça va être la bataille à mon avis. Et là, est-ce que les rebelles peuvent prendre un combat en équipe? C'est la question. On n'a pas réussi à le faire depuis le début du match. Est-ce que ça va être la situation? Virzoev va subir le Final Spark. Par contre, Kassadin est allé chercher un pick et l'engage va être exécuté. Placé le Raven derrière, va aller chercher un beau stun sur Pietrovic. Et l'avantage numérique en ce moment, alors qu'on est bas, le Kassadin roam et ce sera le clean ace! 5 pour 0 en faveur de ce Reltraci. On a eu le teamfight qu'on voulait et surtout on a vu le Kassadin late game qui enfin fait les ravages qu'on attendait de lui. C'est ce qu'on devait voir exactement. On va chercher 3 kills. On va aussi avoir le gold pour chercher cette Rabadon. Et quel travail en flank du côté des rebelles. Vraiment, on a hésité aucune seconde pour aller vers l'avant. Et tu l'as dit, Fire, Québec NBR, c'est quelqu'un qui adore jouer agressif, des fois trop agressif, mais cette fois-ci, c'était le bon niveau d'agressivité pour remporter ce teamfight. On va chercher le Dragon Soul. Il y a le Baron Nashor qui est disponible. Un peu dommage, par contre, j'aurais bien aimé ça, faire Dragon et ensuite aller rotate au niveau du Baron Nashor, mais quand même, on va chercher un inhib dans la mid lane. C'est déjà très important. Ouais, les inhibiteurs, on est allé chercher une tour aussi dans la bot lane, accentuer un peu l'avance, 7000 pièces d'or d'avance pour la formation des rebelles, et on est à 30 minutes dans la partie, on est dans la phase du late game, tout le monde va commencer à être niveau 16, 17, 18, aucun niveau 16 encore du côté des aigles présentement, alors qu'on est 3 personnes pour les rebelles, les 2 solo laners et le jungler qui ont leur 3e niveau d'ultime. Et c'est beaucoup à cause que la conséquence de rester groupé et de farm, on divise l'XP par le nombre de joueurs qu'il y a à côté des minions. Donc, c'est une toute petite source d'XP qu'on obtient comparé à de l'XP à un solo laner, comme par exemple Québec NBR. Ça, c'est le meilleur exemple. Il n'a que fait du split pushing, a 3 niveaux de plus, et je crois qu'il veut aller chercher cet Akali. Ah, il veut du sang, il vient d'acheter le Magi aussi, justement. Et regardez ici, et là, attention, Akali tente de se sauver. On va avoir le dernier Riftwalk, et on va aller chercher nos premiers stacks de Magi Soul Stealer. Pendant ce temps-là, les rebelles se dirigent vers le Nashor. 31 minutes, vont aller chercher un second jeu de puissance, et espérons que cette fois-ci, ce sera mieux exécuté. Mon démarre déjà pour les 30 prochaines secondes en avantage numérique. Néré, par contre, ici, dans le buisson, loin. Avance, pas de vision. Beau spell shield, par contre, pour absorber le dégât. Mais on n'arrivera pas à tenir le coup. On va tomber ici en voulant prendre de la vision. On n'avait pas de ward, malheureusement. On est rentré à l'aveugle. Et c'est l'erreur des rebelles. Québec NBR, justement, s'amène. Par contre, il est à moitié mana. Il va falloir faire attention. Un peu trop agressif. On n'arrive pas à aller l'aider. Virzoev est en train de cleaner des wards sur le côté. Et on tombe. Les rebelles sont trop greedy. Ils ne se communiquent pas, encore une fois, sur ce jeu de puissance. On va peut-être aller chercher l'inhibiteur de la top lane pour compenser. Mais les rebelles sont quand même un peu trop agressifs. Est-ce que ça va être utilisé après ça? L'IA est encore en bonne santé. Par contre, on est les 3 membres des rebelles bien positionnés. Là, Olaf n'a plus d'ultimate. Subit beaucoup de dégâts aussi. Sur le côté, Virzoev va utiliser la Zonias pour gagner du temps. Va avoir le stun sur la civée en arrière. Il va prendre le kill par la suite en arrière. Par contre, Princesse L'IA est en vie. Edgar va prendre le pick ici. Il reste un membre en vie pour les rebelles. C'est Princesse L'IA qui regarde peut-être pour finir la partie. Il est en 1v2 avec justement le split push qui est tenté de la part de Pietrovic dans la mid lane des rebelles. Princesse L'IA va détruire la première tour. Par contre, n'a plus de sbire. Il doit faire attention. Edgar va revenir. Princesse L'IA tente de se repositionner. Il va avoir le shield. Attention, le dégât qui vient. On est quand même assez gros ici. Et est-ce qu'on peut prendre le pick? Oui, le dégât qui est exécuté. Princesse L'IA le dessus sur Edgar. Nere est revenu avec le paranoïde et va forcer c'est le game, joueur de Naphiri de s'en aller. Alors qu'on n'arrive pas à tenir, effectivement, ce sera game. Princesse L'IA seule dans la base adverse, sur le split push avec le Baron. Et les rebelles vont forcer un match numéro 3. On aura une game ultime pour cette première semaine de la LCS. Écoute,
beaucoup mieux côté Rebelle. Ouais. Cependant, on est trop confiant avec les buffs de Baron. À chaque fois qu'on a un Baron buff, on veut commit, on veut faire du fight. Ouais. Alors qu'on doit en profiter, utiliser cet avantage pour en profiter pour du split pushing. Et en parlant de split pushing, Québec NBR, vraiment beau travail. Tout le long de la game, est le seul joueur qui était niveau 18 comparé aux 9 autres au final. Donc vraiment, bien joué de sa part. On a bien absorbé la pression de l'Akali parce qu'Akali, vraiment, grosse avance au CS en début de partie. Le triple kill qui a vraiment égalisé la marque au gold. Mais vraiment, c'est à partir du fight pour le Dragon Soul que tout a chamboulé du côté des Aigles. Et Québec NBR en a profité. Et on aura un match ultime. Exactement, on va se diriger vers le match numéro 3. On va prendre une courte pause et on vous revient pour la suite de ce duel. Les Rebelles provoquent l'égalité. C'est et partout 1 au tableau indicateur. On vous revient dans 15 minutes. À tout de suite. Shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Something keeps waking me up. Why did darkness come? Shake me into hell. Why did darkness come? Le e-sport, ça vient de l'expression « electronic sports » ou « sport électronique » en français. Donc, comme les sports traditionnels, c'est des pratiques, mais sur des jeux vidéo. On va faire des compétitions, on va s'entraîner, on va travailler en équipe, on essaie de remporter des tournois et au final, de performer au plus haut niveau possible. En parlant d'entraînement, si ça t'intéresse, demain, on a une pratique de spikeball. Si tu veux te joindre à nous, t'es la bienvenue. OK, ben je peux bien me prêter au jeu. Parfait. J'attendais à jouer à un jeu vidéo, mais l'équipe de e-sport des Rebelles du cégep de Sorel-Tracy font aussi du vrai sport.
En fait, le programme a vu le jour, c'est parti d'une idée et de l'observation de nos jeunes, de leurs intérêts. Puis bien évidemment, on a constaté qu'ils passaient plusieurs heures derrière une console de jeux vidéo, puis qu'il y en avait de plus en plus qui développaient là, cette passion-là. L'idée, ça a été donc de faire une conciliation avec cette réalité-là et de questionner comment on pourrait utiliser cette passion-là puis de faire en sorte de l'associer à un projet qui est positif et porteur pour les jeunes. Il y a des parents qui ne voyaient pas vraiment comment on allait utiliser ce sport-là puis en faire une plus-value pour la persévérance scolaire, pour encadrer la réussite de leurs jeunes et tout ça. Mais après quelques mois là, de vécu, tous sont vraiment convaincus. Et on a des beaux exemples maintenant pour pouvoir là, faire la promotion des saines habitudes de vie au travers du e-sport. On a choisi, en partant le programme, de l'intégrer vraiment dans la grande famille de sports rebelles en l'encadrant comme un sport de gymnase ou un sport plus classique. On allait créer cet effet de levier recherché-là et faire en sorte que ça devienne quelque chose de positif plutôt que de négatif dans la vie de nos jeunes. Salut Myriam, salut Guillaume, merci d'être là. Donc, combien d'étudiants font partie du programme e-sport? En fait, cette saison, on a 16 joueurs qui sont inscrits, dont notre première fille. Exactement, donc divisé sur 3 équipes. 2 équipes pour le jeu League of Legends, donc 5 joueurs par équipe, et 6 joueurs pour le jeu Overwatch. Donc, on a complété nos équipes. 3 équipes cette année, on est très fiers d'avoir ajouté une équipe de plus pour cette année. Lors d'une soirée d'entraînement, ils vont passer du temps à jouer en équipe, jouer individuellement, mais aussi parler avec leur entraîneur de stratégie. Ils vont parler des nouvelles tactiques dans le jeu, ils vont regarder qu'est-ce qu'ils ont bien fait la semaine précédente, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'adapter pour l'équipe qu'ils vont affronter. Ils vont regarder des matchs aussi, justement, pour corriger des erreurs, au même titre qu'une équipe de hockey ou de football ferait lors d'un entraînement régulier, en fait. Justement, ça développe quoi comme habileté? On va chercher plusieurs compétences, premièrement au niveau des réflexes, au niveau de la prise de décision. Un point très important aussi qu'on veut appliquer, c'est la communication. C'est très important pour nous que les étudiants viennent jouer en personne à l'école au lieu de jouer à la maison, en ligne, avec un casque et un micro. La discipline, avoir un équilibre de vie, établir un horaire. Donc, c'est tous des points qui vont leur être importants tout au long de leur vie, là. De notre côté, ce qu'on s'assure, c'est justement de faire un suivi académique pour s'assurer qu'ils maintiennent les critères de réussite académique. Sinon, ils doivent aussi, chaque semaine, s'entraîner au moins 2 fois par semaine. Il y a différentes activités qui leur sont offertes, que ce soit en s'entraînant dans la salle d'entraînement, sinon on leur propose aussi d'autres activités de groupe, ce qui est le jeu d'équipe, parce qu'on sait que c'est très important dans le volet e-sport aussi. Donc, en l'amenant à l'activité physique, bien, ça travaille ce volet-là également. Chaque année, on leur fait un atelier sur le cycle de dépendance pour la cyberdépendance. On a fait des ateliers sur la nutrition. Ça reste une activité parascolaire, mais c'est un programme où on va justement travailler tous les aspects du volet compétitif et le volet de développement personnel. Alors, dès qu'on explique un peu l'idée derrière, tout le monde embarque. Il y a toujours la question classique qui revient, est-ce que les sports électroniques ou les compétitions de jeux vidéo sont des sports? La réponse viendra sûrement jamais à ce niveau-là. Mais moi, je considère qu'il y a des similitudes, en fait, entre les deux et que l'un peut vivre avec l'autre très bien aussi. Jusqu'à date, ça va se dérouler très bien ici même au Cégep. On a une très bonne réponse de tous les étudiants. Merci, Guillaume. Merci, Myriam. Merci, ça fait plaisir.
Et on est de retour pour la suite de ce duel entre les rebelles du cégep de Sorel-Tracy et les aigles du collège à Hunsic. La série est égale 1 à 1 pour le match d'ouverture de la saison 2023-2024 de la LCSE pour le jeu League of Legends. Et on va être prêt à débuter le match numéro 3 dans un instant. Les aigles avaient le choix du draft pour le match numéro 3. Retourne côté rouge, donc on reste du même côté pour les 3 rencontres, Blake. Vraiment, honnêtement, je peux comprendre bien, l'idée de repartir, tout simplement repartir dans le côté rouge. Ils ont été très confortables dans leurs trois parties, dans leurs deux parties, peut-être dans la troisième partie, ça va être la même chose, à voir, dépendamment de la draft qu'ils vont faire. Mais du côté des rebelles, on a peut-être trouvé une petite idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les prochaines drafts. On a vu que Québec NBR était très bon sur son Cassadin. Est-ce que ça pourrait être une idée de ban du côté des aigles? C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes, alors qu'on y est, Fire, on lance la draft pour la troisième game. Exactement, c'est parti pour cette draft. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va ban cette fois-ci, alors qu'on va peut-être avoir des influences d'un côté et de l'autre pour ce match numéro 3. Et on débute avec même premier ban pour les rebelles lors des trois rencontres. Le Thresh qui va être retiré. Yone qui va être enlevé aussi. Le Yone de Québec NBR qui adore le jouer entre autres en solo lane. Très agressif aussi sur ce champion AD.
Et voyons voir, c'est vraiment, d'après moi, les deuxièmes bandes risquent d'être similaires. C'est le troisième band, à mon avis, qu'on va peut-être faire des variantes d'un côté comme de l'autre. J'ai hâte de voir selon la priorité des picks, parce que pour l'instant, lors des drafts, on a mis un gros focus sur la bot lane dans les picks de la première phase de draft. Et aussi, qui va être, très important à regarder, c'est... Tu as parlé au niveau des bans, tout ça. Est-ce qu'on va rebannir le Gnar qu'on a fait du côté de la Game 2, côté rebelle? Ou est-ce qu'on va prioriser plus le ban de Vladimir contre Petrovic? Petrovic, encore une fois, dans la Game 1, superbe performance de Vlad. Mm-hmm. Et le Gnar, très belle performance aussi de Edgar Ryotop, Ryopop, excusez-moi. On va la voir. Et voilà, on va bannir le Gnar. Et là, ça va être... C'est là la question, c'est est-ce que les aigles vont bannir Kassadin? Le Panthéon. On va bannir Panthéon à la place. Panthéon, le place. Lui qui a eu une bonne influence early et mid-game, honnêtement, à ce niveau-là. Et qui était très à l'aise. On s'y attendait à ce ban, honnêtement. C'était soit ça ou Kassadin, un des deux. Mais clairement, la bot lane et la mid lane a eu beaucoup de difficultés à cause de ce Panthéon. Donc, on va retirer des mains de Placid Raven, son champion, son pocket pick dans la pot lane, le Panthéon qui a été enlevé. Et là, on retourne avec first pick sur Morgana, de nouveau pour les rebelles pour ce match numéro 3. Ça a quand même fait une bonne performance, surtout au niveau des Black Shield. Ça, c'est quelque chose qu'on s'est beaucoup concentré au niveau des bindings et tout ça, qui n'étaient pas les meilleurs, mais quand même au niveau des Black Shield, beaucoup mieux. De bons timings pour être présent, pour avoir une belle protection pour Panthéon pour faire ses engages. Mais là, Panthéon est banni, on doit faire un plan B. Étant donné qu'on joue Morgana, est-ce que côté Placid Raven, on est capable de jouer Caitlyn? Ça peut être une option. Mais du côté des aigles, vraiment, on change la draft et on va partir sur un Lee Sin comme first pick. Lee Sin qui va être sélectionné, effectivement. Donc, on change un peu la donne. Et Senna, support bot lane, qui va être lancé. Donc, on brasse les cartes vraiment beaucoup pour les aigles. Et j'aime ce que je vois. On essaye des nouvelles choses. On essaie de déstabiliser les rebelles au niveau de la draft. Et je crois que c'est pas un mauvais plan de match, pour être honnête, à ce niveau-là. Senna support, tout dépendant de qui on va vouloir jouer, comme AD Carry. Plusieurs options, plusieurs méta ont existé autour de la Senna. Okay. Et là, on va y aller, la Samira de Placid Raven. Il veut montrer qu'il est capable de jouer Hyper Carry dans la bot lane. Il y va avec son champion de prédilection dans la bot lane pour ce match numéro 3. Ça va être très dangereux. Ça, vraiment, Placid Raven... Pour ceux qui n'ont pas été présents l'année précédente, Placid Raven a fait un travail fabuleux avec sa Samira, a permis aux rebelles de remporter quelques games la saison précédente, vraiment. Une saison précédente qui était à oublier du côté des rebelles, mais quand même une belle prestation de Placid Raven. Et côté troisième pick, côté rebelles, c'était assez... Honnêtement, on s'attendait à un pick de Tahm Kench parce qu'on voulait peut-être empêcher le fameux Fasting Senna avec le Senna Tahm Kench au bot qui est très populaire. Et finalement, on va partir sur une Ziri. Donc, on est très content du côté de Placid Raven sur Samira parce qu'une toute petite erreur de positionnement entre ces deux joueurs des aigles et Samira va en profiter et faire le trade. Ouais, il faut par contre qu'on se parle dans la botlane. Il faut que Virzoev et Placid Raven soient bien synchronisés. Le Spell Shield de Morgana va être la clé essentielle pour empêcher de shutdown Nere, justement, avec un déplacement. Si on se positionne au mauvais endroit, on peut punir Nere. Il va falloir jouer beaucoup avec ça. Nere, lors des engages, risque d'être en 1v2, si on peut dire ça ainsi. Si on est trop loin derrière pour la Morgana, donc il faut vraiment que le Spell Shield soit utilisé au bon moment. On n'a pas tant de dégâts pour le détruire aussi dans la botlane, donc il va falloir en profiter. On arrive dans la phase de ban et on focus beaucoup la mid lane de part et d'autre jusqu'à présent. C'est pas mal sûr. Sans hésitation, on ban les deux champions mid qui a été joué par Québec NBR. Et on va enlever le Vladimir et Talia qui avait été ban aussi lors de les deux mêmes bans que lors du match numéro 2.
Écoute, 100% ban Talia. Vlad, on continue la recette gagnante qui a permis aux rebelles de chercher, de forcer cette game ultime. Mm-hmm. Côté de Tahm Kench, les chances sont très très fortes que ce soit un Tahm Kench au top. Virzoev, ça m'étonnerait fortement qu'on joue Tahm Kench étant donné que Morgana a été first pick pour une deuxième fois. Mais là, cette fois-ci, les Zek vont faire, on va voler un peu votre examen que vous avez fait dans la game 2, on va voler votre Camille. Mm-hmm. Donc là, quand même, Camille contre Tahm Kench, un bon match-up pour cette Camille. On devra faire une bonne réplique du côté des rebelles et bien évidemment, faire un blind pick du côté du mid. On n'a pas le choix. Exactement, alors qu'on... va réfléchir à ce qu'on veut aller. On a quelques options disponibles, mais quand même, il y a eu des gros bans dans la top lane aussi. Alors, ça limite un peu les choix. On regarde peut-être pour un Malphite. Oui, Malphite dans la top lane. Donc, quand même du bon engage pour donner du temps à la Samira des rebelles. Si on veut vraiment y aller en teamfight d'équipe, de groupe, si on est réussi à bien se positionner. Par contre, le peel va être important. Et là, en parlant de peel, on va avoir une grosse frontline. Ça va être le Ramus dans la jungle. Ramus qui a été buffé cette patch-ci. Important. Et avec 4 AD qui a été pick de l'autre côté, Malphite Ramus fait tellement de sens, honnêtement. Mais ce qui fait encore plus de sens, c'est de pick un Sylas du côté des Zeke. C'est vraiment... lorsqu'il y a un Malphite... Le Sylas doit être choisi. Vraiment, c'est un must. C'est littéralement une tradition du côté des drafts. On va en profiter. Mais comme ce que j'allais dire, énorme frontline, t'en as parlé. Aussi, au niveau de la patch, Ramus a été buffé. Mais quand même, c'est un bon buff. Surtout avec, t'en as parlé, on est 4 AD en face et... Le plus important spell de Ramus, qui est le W, le Defensive Ball Curl, l'armure bonus que Ramus va obtenir au début, c'était de 30 avec un scaling de 35 jusqu'à 75%, dépendamment du niveau, à maintenant 40. Donc, c'est un 10 d'armure que tu rajoutes à Ramus et aussi de fortes chances qu'on va voir une Thornmail sur ce Ramus. Il sera tout simplement. Un mur épineux contre les joueurs des aigles. Donc, assez important à regarder pour Neri, mais aussi regarder au niveau des aigles comment utiliser les ultimates volés de Sylas. La priorité, ce sera 100% le Malphite, mais aussi le Tahm Kench. On peut voler le Tahm Kench pour sauver notre allié du côté des aigles. Donc, important à regarder, mais vraiment beaucoup de frontline rebelles. On joue sur deux carry, on joue vraiment sur Placid Raven, le carry. Exactement. Je vous rappelle, vous pouvez voter dans le chat pour ce match ultime. N'hésitez pas à le faire. On veut voir qui, d'après vous, après les deux matchs qu'on vient de voir, qui va l'emporter avec cette draft très spicy, bien entendu aussi. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer et à montrer votre support pour les aigles ou pour les rebelles pour ce match numéro 3. On va regarder aussi pour le pathing dans la jungle. C'est sûr que Lee Sin, très très bon jungler en ce moment. Avec le W qui a été buffé il y a plusieurs patchs avant, facilite son travail de sustain et de clear. Est-ce que côté Lee Sin, on va tenter un jungle invade pour essayer de voler un camp ou deux contre Neri? Parce que Ramus, ça prend du temps à faire du clear. On n'a pas beaucoup d'AD, donc on doit jouer avec le W, le Defensive Ball Curl. Donc ça ne me surprendrait pas de voir Ramus commencer au niveau des Raptors, juste faire une auto-attaque, activer le W, et les Raptors vont tout simplement mourir par les auto-attaques, par leurs propres auto-attaques. Donc un clear rapidement, commencer à avoir le level 2, puis ensuite terminer les autres camps le plus vite possible. Exactement. Tout va se jouer sur comment on peut prendre les picks, comment on va engage d'un côté comme de l'autre à ce niveau-là.
parce qu'on peut avoir, encore une fois, des teamfights et des engages très dangereux pour les aigles avec la formation. Le pick de Silas à la toute fin est vraiment bon. Je vais être très honnête à ce niveau-là, je m'y attendais pas. Il y avait une grosse logique avec le Malphite et le Ramus en 4e et 5e choix dans une composition avec 4 joueurs qui font des dégâts physiques. Donc c'était pas une vilaine idée du tout. Mais là, on a quand même beaucoup de dégâts qui peuvent venir d'un peu partout. Et les rebelles n'auront pas tant de dégâts. À moins qu'on va sur un Malphite full OP. Est pas impossible non plus, mais ouais. Ça va être intéressant à voir comment on va gérer le tout, honnêtement, parce que c'est pas gagné d'avance pour les rebelles. Ils ont des bons champions, ils ont sur les bons joueurs. Il faut juste être capable d'exécuter le plan de match, exécuter la stratégie autour de cette composition-là. Et c'est ce qu'ils ont eu un peu de difficulté dans les deux matchs ce soir, on va être honnête, oui. Blake. Oui. C'était vraiment. Ils sont bons individuellement, les rebelles, mais au niveau de la synergie, au niveau de la communication, au niveau de la prise de décision en équipe, c'était pas là exactement à ce niveau-là. Et on l'a vu, entre autres, avec le premier baron. En fait, j'ai envie de dire les deux barons, en fait. Tous les barons, en fait. Qu'ils ont pris lors du match numéro 2. C'était pas très joli à voir, on va être honnête. Non, vraiment pas joli. Au lieu de tout simplement faire un reset pour avoir les items avec le bonus de gold qu'on obtient de baron, parce que c'est pas quelques petites pièces d'or, le baron, c'est beaucoup de gold qu'on obtient. Donc, pour acheter un item, un composant d'un item ou un full item, pour tout simplement être encore plus puissant, c'est beaucoup mieux de tout simplement faire le baron puis repartir dans un combat alors qu'on est déjà, un, on est affaibli par les attaques du baron, et deux, ben on est encore à force égale au niveau des items face aux opposants, que eux sont morts, sont de retour avec des nouveaux items, donc un léger avantage, et ça s'est vu, on a tenté de fight, ça s'est mal passé, on est mort, le deuxième baron qui est passé de 3000 à 200 gold au final. Donc vraiment, on n'a pas été capable de bien l'utiliser. Et je veux voir, à partir de cette game-là, le problème avec la draft des rebelles, c'est qu'ils ont un clear d'objectif tellement lent. Mais en termes de teamfight, si on est capable de faire une bonne frontline et d'empêcher le Silas de voler l'ultimate à Malphite ou à Quebec NBR, ça pourrait aller mieux, parce que les rebelles, je pense que Melas l'a dit, faites juste protéger Placid Raven et Virzoev. Virzoev, je pense que c'est elle qui va partir sur des items plus AP. Je pense pas que le Malphite va partir sur de l'AP. Rajouter encore plus d'AD, empêcher cette Senna, empêcher cette Ziri de faire ses auto-attaques pour melt les HP, ça va être compliqué. Ça va être compliqué si on part sur un AP Malphite. Ouais. Et les votes sont rentrés. 57% du chat des spectateurs pensent que ce sont les aigles qui vont remporter ce match numéro 3 contre 43. Donc, un pourcentage beaucoup plus serré que j'ai envie de dire que lors du match numéro 1 et match numéro 2. Les rebelles sèment un peu le doute parmi les spectateurs. Mais néanmoins, on a une belle draft du côté des aigles, honnêtement. Très intéressante. Très belle. Et très différente, surtout du match 1 et match 2 aussi. Dans le style, donc on montre la versatilité, j'ai envie de dire, de la formation du collège Unsick. Et clairement, une Ziri Hyper Carry contre une Samira Hyper Carry, ça peut débouler rapidement d'un côté comme de l'autre. Ça va être vraiment une botlane à surveiller. Ah, à surveiller, c'est le mot à dire, vraiment. Là, ça prend juste un mauvais départ pour un des deux ADC que c'est probablement terminé pour tout leur league game, en fait. Va falloir attendre vraiment le mid-late game pour que les tanks commencent à avoir 2-3 items d'armure pour arriver. Mais faut pas oublier le Silas. Essayez de peut-être regarder un item de Magic Resist. Peut-être les Burk Treads. Ça pourrait être intéressant. Mais aussi, tu as les Plated Steel Caps. Parce qu'il y a tellement de champions qui vont jouer avec les auto-attaques. Le Lee Sin, la Senna. En fait, littéralement, les 4 AD. Les 4 AD qui se concentrent principalement sur les auto-attaques. Donc, Plated Steel Cap, très important. Mais regardez au moins un item de Magic Resist contre le Silas, parce que si on se concentre armure, c'est le Silas qui va en profiter à 100%.
Et voilà, on va être prêt à rentrer dans la joute, mesdames et messieurs. Bon match à tous et à toutes. Match ultime, match numéro 3, c'est l'égalité de part et d'autre. Et on arrive sur la faille de l'invocateur pour conclure cette soirée. Les rebelles du cégep de Sorel Tracy du côté bleu, alors qu'on aura du côté rouge pour ce match. Les visiteurs, le collège Hansik. Bon match à tous et à toutes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant du côté des joueurs des rebelles, alors que on a déjà l'information que c'est bel et bien que le time catch au top, le malfight au mid. Et ce que j'aime aussi du côté des joueurs des rebelles, on est parti sur un double TP, ce que j'adore beaucoup comme, comme réponse. Être présent au teamfight, être présent pour protéger Placid Raven et, ou Virzoev si jamais on a quelque chose qui va arriver, alors que Placid Raven, vraiment... C'est un gros joueur de Samira. Sur son P.GG, c'est vraiment... C'est le champion le plus haut. C'est tout simplement le champion qui a le plus d'expérience. Donc, on peut faire confiance à Placid Raven sur cette Samira. Aussi, côté rebelle, on a placé quand même des wards très défensives du côté... au niveau blue buff, on aurait pu placer cette ward entre le blue buff et le grump dans le buisson pour vraiment voir plus loin aussi, si jamais on voulait faire un late invade. Mais ça aurait été vraiment une très mauvaise idée côté antique, parce qu'on va retarder, on va vraiment retarder le clear. J'ai hâte de voir comment on va réagir aussi à ce niveau-là, comment on va être présent. Au niveau des junglers, on sait que Giuseppe est très agressif. Il sera un Lee Sin, peut ganker rapidement. Nere, en théorie, sur un champion comme Rammus, peut gank dès le niveau 2 ou le niveau 3 aussi. Donc, n'a pas de raison d'attendre. On n'est pas dépendant de l'ultimate pour les deux junglers, clairement, pour mettre de la pression en début de rencontre et s'amener rapidement pour un gank. Donc, est-ce qu'on va être capable d'exercer cette pression et de l'utiliser de bonne façon? Et j'aime bien le swap cette fois-ci. C'est un swap de lane du côté des aigles, alors qu'on a envoyé la Camille au mid. C'est les rebelles qui avaient amené Camille au mid précédemment. Et bien là, cette fois-ci, ce seront les aigles qui vont exercer la même stratégie. Et on va envoyer les deux mages à l'opposé. Aussi, on pourra changer le Tamken chez le Malphite. Et voilà, c'est fait. Je viens de conclure, exactement. On voulait être sûr de prendre le même match-up. On voulait brasser un peu les cartes du côté des rebelles. Finalement, on a exercé le même jeu pour les aigles. Il y a beaucoup de dégâts aussi dans Camille en mêlée. C'est quand même pas évident. On a quand même un avantage de dégâts, j'ai envie de dire, avec Camille en début de partie. Surtout si on lui permet de jouer avec... Le true damage de son Q, justement. Donc, Princesse Lilia, par contre, a peut-être l'avantage de peut-être du sustain sur le moyen et le long terme. Mais en début de partie, ça va être difficile de mettre de la pression. Par contre, on va bien farmer et on va pousser sous la tour et forcer Camille à perdre peut-être quelques pièces d'or. Quelques pièces d'or, mais aussi on est capable de reprendre des PV assez facilement avec le Grasp, le Grasp of the Undying, mais aussi avec le Tongue Lash qui permet de reprendre un petit peu d'HP aussi. Donc, au début que le trade était à l'avantage, il va falloir faire un smite côté Lee Sin. Et voilà, sans hésitation, le smite. Et on voudrait continuer. Va falloir que Tamkench arrive. Exactement. Là, Camille est là. Finalement, Rammus tente de faire la... Boule pour s'enfuir, mais va donner le first blood. On a réagi un peu lentement sur la rotation, malheureusement. Et le premier sang va aller en faveur des aigles. Les princesses Lilia doit flash first blood en faveur de Giuseppe sur le Lee Sin qui avait le smite. Neri n'avait pas le sien, malheureusement. C'est dommage. Ça donne le first blood au Lee Sin. Une belle avance de gold aussi grâce à ça. Surtout au niveau de la top lane, ce qui est tout à fait comprenable, surtout avec le Silas qui va probablement maxer le W juste pour en profiter pour gagner les trades. Et là, cette fois-ci, ben on change de lane encore une fois. C'est rendu la Camille qui sera au top et le Silas qui va retourner au mid. On veut conserver les mêmes match-up. Ouais. Donc, Camille Tamkench contre Silas Malphite.
Ouais, Loco Pollo et Edgar vont utiliser les deux téléportations pour la formation des aigles. Sasslia veut mettre de la pression, continue un peu, va avoir le stun par la suite. Conqueror qui va proc sur Camille, par contre, il va falloir être prudent. On va désengage de façon prudente sur le jeu de part et d'autre, mais Sasslia va être content de ce trade, à mon avis. Très content, surtout que surtout qu'on joue Tam Kench, on n'a pas beaucoup de on n'est pas beaucoup de burst AD, on joue plus au niveau de sustain et d'absorber les dégâts, vraiment absorber les dégâts le plus possible, et on fait un bon travail et ça va être de plus en plus à l'avantage de princesse de princesse Lilia lorsqu'on va commencer à stack l'armure contre cette Camille. Et on voit aussi au niveau des inventaires beaucoup de cloth armor pour Québec NBR et Néré, qui probablement va partir sur une Thornmail first item. Bon, on veut essayer de mettre, c'est ça, on va vouloir mettre de la pression le plus possible sur les carry AD. Loco Pollo va être un peu plus dur à contenir cependant. Mais même avec une Thornmail, on peut faire un bon travail contre Sylas, l'empêcher d'utiliser le Kingslayer de façon efficace dans les combats. Voilà, niveau 6 qui l'amène. On va utiliser l'ult immédiatement et le combo solo kill sur Québec NBR. 2-0 pendant ce temps-là. On a un gain avec le flash par la suite sur le côté. Mais le taunt qui va venir et on va prendre un pic ici. Néré va sécuriser le kill de son côté avec le taunt et le dégât du curveball par la suite. Alors, les rebelles tentent de limiter les dégâts. Prennent un kill dans la botlane. Donc, un premier gank pour Amus qui a réussi. On a forcé le flash aussi de Ban Myself sur la Senna. Donc, quand même, un gank qui va avoir profité et les rebelles vont pouvoir mettre un peu de pression au bot. Et un peu dommage, par contre, j'aurais aimé ça que ce soit Placid Raven qui obtient, qui obtient le kill pour se rapprocher plus rapidement de la Collector First Item. Je pense que c'est ça que Placid Raven veut faire. Surtout contre une composition double AD. Malphite qui est au top, on veut faire quelque chose, mais on va tomber côté Princesse Lilia. Je ne comprends pas ce dive. L'idée ici, on avait l'ul de Malphite, mais on a tout raté ici, alors qu'on a Sylas qui va faire la rotation par la suite. Vraiment, est-ce qu'on peut prendre le kill? Là, Sylas arrive. Québec NBR devrait tomber ici, on a trop attendu. Et là, une décision douteuse par les rebelles, ce dive sous la tour. Vraiment, complètement raté. Complètement raté, mais aussi... Québec NBR était littéralement derrière Princesse Lilia. La Camille avait toute l'information en disant « Ok, il y a un Tam Kench, il y a un Malphite derrière le Tam Kench, ça sent le Tower Dive, on va demander de l'aide à ce que Loco Pollo vienne au top. » Et complètement manqué. Excellent Tech-Tech Ultimatum pour dodge, pour bien dodge l'engage des rebelles. Et ouais, on donne un deuxième kill pour ce Sylas qui veut rusher encore une fois une Night Harvester. Ouais, le Tam Kench qui était au tiers de ses points de vie au début du dive prend l'aggro de la tour au lieu de laisser Malphite prendre le tout. Lui qui était à 100% de ses points de vie, donc vraiment un manque de communication. Et malheureusement, j'ai envie de dire, ça aurait pu être un beau jeu, mais c'est ce qu'on voit des rebelles depuis le début de la pré-saison. On n'arrive pas à bien se positionner, bien se parler et comprendre ce qu'on doit faire pour gagner les Tower Dive. Vraiment un point à travailler cette année pour la formation sorelloise. Parce que même depuis le début de la pré-saison, j'ai pas vu un seul Tower Dive clean ou qui a fonctionné à 100%, j'ai envie de dire, pour les rebelles. Et ça peut être des choses à bien regarder pour la suite si jamais on veut se faire du scrim. Oh, Bell Engage! Exactement, au bot, alors qu'on va avoir le dégât. Virzuev tente de se repositionner, mais Petrovic va s'en aller et se positionner en bonne position. Petrovic, justement, qui va avoir fait une petite rotation avec ses coéquipiers, qui va avoir été, après une mid lane, une partie dans la mid lane qui n'était pas convaincante, va essayer l'autre Hyper Carry dans la bot lane. On a presque pris un kill pour les rebelles sur la séquence au bot. Pendant ça, là, au top, on continue le duel entre les deux joueurs au top. Pas vraiment de présence des junglers. Et Edgar va utiliser l'ult pour mettre de la pression. Là, Princesse Lia tente de jouer avec les sbires. Va flash pour se repositionner et survivre de justesse. On a le stun. Si on peut lander le Q, ça peut être très fort pour Princesse Lia. Mais on va perdre des stacks de passifs. Et là, on va vouloir engage. Peut-être faire attention. Alors qu'on sait que Camille n'a pas, justement, le Q. Il devrait l'avoir ici. Et voilà, le reset. On était trop agressif pour Princesse Lia, pas de respect sur la Camille, et on tombe. C'est un deuxième kill
pour Edgar. 5 à 1, la marque à 10 minutes. Et c'est dommage parce que le Tam Kench avait son Devourer. On avait les 3 stacks sur la Camille lorsqu'on était dans le Hextech Ultimatum. On aurait pu ult la Camille, la ramener sous la tour, faire le damage et on aurait peut-être allé, on aurait peut-être pu chercher le kill pour Princesse Lilia. Et là, c'est vraiment dommage parce que là, tu donnes beaucoup de kills. Et c'est ça un des problèmes d'une composition où tu joues beaucoup de frontline. T'es pas capable d'avoir énormément de tankiness pour résister à l'assaut des aigles. Et plus on avance, plus ça va être difficile. Québec NBR qui est parti sur un build semi-Zonia, semi-genre Bramble Vest. Donc, est-ce que c'est le build-upé? Je pense que c'est le build-upé que tu parlais, Fire. Ouais, on va aller chercher peut-être un peu d'upé. Du moins, on se concentre beaucoup sur les parties armure pour le moment. Pour le Malphite, mais oui, on va aller chercher un peu le Magic Damage, justement. Fait que Malphite puisse faire quelque chose avec les ultimates, surtout sur des Squishy. Donc, veut pouvoir se servir du burst de dégâts. Et là, on voit ici le duel complet. On va utiliser la force inarrêtable, mais le flash in sous la tour. Et Québec NBR se fait donner une leçon par le Silas. Un troisième kill pour Loco Pollo. Et ça commence à faire vraiment peur parce que non seulement on va chercher le kill, on va chercher une plate. On aura assez de gold probablement pour obtenir cette Night Harvester. Ah, 615. Il en manque encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu, mais là par contre, Virtuel, c'est maintenant ou jamais si on veut faire un kill sur Pietrovitch. On s'est fait voir, oui, de l'option. Et là, on a trop attendu. Malheureusement, on est sorti du buisson, Virtuel, puis on s'est fait voir. Alors qu'on aurait pu ulter ou faire un Dark Binding immédiatement. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mauvais positionnement. Il est là en partie 3. Les rebelles s'écroulent un peu sous le stress. Ils jouent sur les talons avec nervosité. Dragon dans 45 secondes de disponible. Et là, on se dirige lentement vers la botlane. On ping. La Camille s'amène. Et là, les rebelles n'ont pas de vision. Et on push beaucoup trop. Et l'engage va s'amener aussi. L'acide Raven va se faire ulter. N'a nulle part où aller, malheureusement. Et devrait tomber sur la séquence. Et voilà, Virtuel voulait aider. Mais devrait s'écrouler aussi. Manque de vision au bot. Les rebelles, trop agressifs au bot. Et on donne le double kill. 2 premiers kills pour Petrovic. Et la communication des rebelles, elle est tout simplement inexistante. Si on regarde tout le fight qui s'est passé au bot, le nombre de pings que les aigles ont fait en termes de communication, c'est, vraiment, on devait faire tout ce qu'on devait faire pour aller chercher ces deux kills. Virzoev qui voulait tenter d'aider, mais je pense qu'on aurait juste tout simplement faire marche arrière. Par marche arrière pour juste sauver sa vie et empêcher de donner trop de gold à Antic. On est déjà rendu à 13 minutes de jeu, Fire, et c'est déjà beaucoup de gold d'avance. 4000 gold pour être plus précis. Ouais, exactement. Un petit peu plus que 4000 gold en faveur des aigles du collège de Antic. Là, les rebelles, je sais pas comment on va réussir à s'en tirer, mais là, on met beaucoup de pression un peu partout. Princesse Lia va tenter de s'enfuir, mais va se faire interrompre immédiatement. On attendait, justement, l'ultimate de Lee Sin. C'était à prévoir sur la séquence. Tamken va tenter de se sauver. On va ping de ce côté-là, mais va se faire rejoindre. Va regarder pour aller de l'autre côté du mur. Va faire demi-tour, mais là, nulle part où aller. Devrait tomber, malheureusement, tant de gagner le plus de temps possible. Et c'est un autre kill pour le Silas, qui est arrivé de la base pour se ramener. Est sûr de couper l'échappée de Princesse Lilia. Et là, excellent début de match pour la formation du Collège Antic. Et on est parfait du côté de Antic. On va aller chercher Ban Myself encore une fois. Et on va forcer le flash par contre. Au moins, ce n'est pas comme Zeri où est-ce qu'on peut vraiment juste faire du skate sur les murs pour être en sécurité. Mais au moins, on retire un flash. On va même TP côté Québec. Non, côté Tam Kench. Même les deux TP qui vont être used. Utiliser deux TP pour rechercher un dragon, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment pas bon parce que tu donnes tout simplement le Copoyo, ben, toute la tour. La tour au complet, littéralement. Pareil pour Edgar Iopop. Ouais. Fait que vraiment, aucune utilité d'utiliser la double téléportation là-dessus. Exactement. Au moins, ça va tomber tout juste après que les platings étaient disparus. Mais regardez la pression qu'on a exercée. C'est le double de pièces d'or qu'on a réussi à acquérir avec les plaques
sur les tours avant la 14e minute. Alors qu'on tente peut-être de mettre de la pression au bot. Kevin Bauer va s'amener. Volter à bout portant. Mais est-ce que le reste de l'équipe peut s'amener? Mettre de la pression. Un peu trop agressif pour Malfoy qui était en solo. Donc encore une fois, un jeu agressif, mais clairement mauvaise communication où on s'écoute pas. Et là, on va le payer ici assez cher. Et là, on va réussir à tourner à la base de justesse pour Québec NBR parce que ça aurait pu coûter cher de recall dans le buisson. 9-1 la marque en faveur des Aigles. 9-1 aux Aigles. 6000 gold d'avance aussi. Ça a tout simplement augmenté terriblement juste à cause des deux tours qu'on était capable d'aller chercher du côté du cégep de Huntick. Et on essaie de scale la tankiness du côté des rebelles. Et pour Placid Raven, c'est un peu mission échouée pour cette early game parce qu'on n'est pas capable, on est capable de rien faire. Exactement, on n'arrive pas à mettre de la pression. Les Aigles jouent beaucoup mieux sur les rotations en équipe, se positionnent comme il faut, font un bon dive ici. On fait des rotations, Nere n'arrive pas à gank nulle part. Pourquoi? Regardez la vision dans les buissons, on sait exactement comment se positionner. Et les rebelles n'arrivent pas à réagir au niveau du positionnement et de la vision. Et ça se voit au niveau du vision score aussi. Dans l'ensemble, c'est à l'avantage du collège Huntsic dans toutes les positions. Et la vision leur donne l'avantage pour mettre de la pression. Nere n'arrive pas à trouver de gank. Pourquoi? Parce qu'il y a des wards partout du côté du collège Huntsic. Control ward dans la botlane, control ward au mid, control ward dans la jungle. Toutes les entrées sont couvertes avec des wards sur le positionnement. Donc beaucoup de vision en faveur des Aigles. J'essaie vraiment de voir comment on peut faire pour essayer de remonter la pente du côté des rebelles. Mais lorsqu'on est à 17 minutes de jeu et que tu as quasiment 7500 gold de retard, ça doit être très chirurgical. Et à chaque fois qu'on essaie d'avancer côté rebelle, ben les Aigles sont prêts à les accueillir à bras ouverts. Au beau flash de Québec NBR de justesse ici, mais ça a tout pris pour s'en aller. Et encore une fois, c'est vraiment la force qui est exercée alors qu'on va voir le Ramus s'amener pour faire la mêlée. Le Tongue qui va réussir. On devrait prendre un pick sur Ban Myself. D'après moi ici, Winery va locker la téléportation pour s'amener. Camille veut mettre la pression. Placid Raven est dans la mêlée. Est-ce qu'on est capable de survivre? Va se faire grab par son allié alors que tout le monde est là pour les rebelles. Est-ce qu'on veut prendre le pick? Placid Raven doit se replier. Petrovic va prendre un premier pick. Par ça, beaucoup de dégâts qui va s'amener avec le knock-up. Par le shutdown qui va aller à Placid Raven. Derrière, on a Lee Sin par contre. Il faut se repositionner. Et là, on veut dive sous la tour. Petrovic va avoir le kill. On avait nulle part où aller pour la Samira. Ce sera le triple kill en faveur de l'équipe des Aigles et la Zeri est inarrêtable. Sixième kill pour le AD Carry de la formation du collège Huntsic. Petite lueur d'espoir avec ces deux kills, mais au moins belle réaction aussi du côté des Aigles. Ils ont été présents pour aller demander du renfort. Lee Sin est arrivé par derrière. Et côté Placid Raven, ben, on avait juste nulle part où aller. C'était soit qu'on fonce vers l'avant, tenter quelque chose, ou tomber sous les coups de pied du Lee Sin. Et on a décidé finalement de donner un autre kill à Petrovic. Petrovic qui, normalement, avec tous ses kills, va être capable de se rapprocher tranquillement de la Infinity Edge. On a la BF Sword, on se rapproche vraiment de tout simplement le Mythic Item. Et en fait, ça va être une Novori. My bad, j'ai vu la Caulfield Warhammer juste après. Donc Novori Quickblade qui sera acheté en deuxième sur cette série. Mais tellement d'items d'avance, tellement de CS. Le CS est en retard, mais c'est beaucoup au niveau des kills qui permet à Petrovic de conserver son avance malgré son retard de près de proche de 30 CS de retard. On n'arrive pas à mettre la pression et surtout, on joue très bien Loco Pollo. Si on est autant en avance en ce moment, en début de partie sur le Silas, c'est qu'on n'a pas de Magic Resist pour le Rebelle. Ça commence à paraître mal fait. Holy Merc Thread, c'est le seul item de Magic Resist en ce moment dans toute la formation des rebelles. Ça lui donne 80 de Magic Resist. Le Malphite en a 50. Et c'est pour ça qu'ils font à chaque fois sur l'adversaire. Regardez, on arrive quand même à faire beaucoup de dégâts. On va être obligé d'ulter pour s'éloigner. Parce que Malphite, justement, ne peut pas duel contre ce Silas. On va concéder un deuxième dragon pendant ce temps-là aux Aigles qui vont aller chercher le Mountain Drake.
dragon des montagnes. Et là, les rebelles sont sur les talons. On n'arrive pas à trouver d'opportunité de combattre de façon efficace ou de déranger l'adversaire. Princesse Lia se repositionne. Mais Camille fait beaucoup trop mal en ce moment déjà. Avec les bons items pour contrer ce Tahmkench qui a seulement des points de vie. Le Nere ici, il n'a nulle part où aller pour s'en aller de ce Sylas. Comme dit, aucune Magic Resist. Alors on fait bien le travail et on a la liberté de kite comme on veut. Ce Rammus, Rammus qui a juste de l'armure, n'a pas de points de vie, donc il reste quand même très très squishy présentement. Très squishy et va juste tout simplement fondre comme du beurre sous les attaques du Sylas. Et non seulement encore une fois, on tente d'aller trop vers l'avant. Écoute, Verzoev, il y avait une Morgana, il n'en a plus. On veut tellement aller en avant du côté des rebelles qu'on oublie qu'il n'y a plus de T1 au top, il n'y a plus de T1 au mid, vraiment. Les joueurs des aigles ont tout simplement l'ouverture totale de la game au niveau de la carte, alors que Place Eleven va arriver peut-être un trade 1-1. Non, on arrive. Ouais, Edgar est trop fort en ce moment. On va flash in ici. Regardez-moi le dégât. Il y a de justesse. On prend ce kill pour placer le Raven, mais ça l'a tout pris. On a dû flash in pour se repositionner, pour conserver le dégât. Et quand même, c'était contre une Camille qui avait moins de la moitié de ses points de vie. Pendant ce temps-là, on a complété le baron pour la formation des aigles. Jeu de puissance présentement. Et je pense qu'on va accentuer l'avance qu'on avait déjà pour la formation du Collège Onsic. On va vraiment, ça sera pas juste augmenter l'avance, ça sera tout simplement catapulter l'avance avec l'avance, non seulement juste au niveau des kills, on a déjà près de 10 000 gold d'avance. C'est sûr que là, avec le baron, ça va permettre de monter à 10 000 et on va se reprendre par le Rammus, mais on va pas faire des auto-attaques contre un Rammus, c'est pas vraiment la meilleure option à faire. Au moins, ben, on a été capable d'aller chercher ce red buff côté rebelle. Donc, Placid Raven sera capable d'avoir le deuxième red buff de l'équipe. Et voir comment on va faire. Est-ce qu'on doit tenter du 1-3-1 du côté des rebelles pour défendre, empêcher une poussée. Mais on a tellement d'avance au gold et aussi au niveau des items. Regardez-moi juste les items que les aigles ont comparés aux rebelles. Ça se voit, et même si on tente de défendre le mieux qu'on peut, ça devra coûter des sacrifices pour les rebelles. On a un total contrôle de la jungle des rebelles aussi pour la formation des aigles. On a fait les buffs du côté supérieur, même chose du côté inférieur, on fait la jungle. Les rebelles ne peuvent absolument rien faire. Alors qu'on tente d'écouler cet avantage du baron, on limite quand même les dégâts, seulement 3400 gold, 3500 gold d'avance sur cet avantage avec le baron. Pour les aigles, Princesse Lia essaie de trouver un pic sur Senna. Peut-être le Rammus va s'amener rapidement avec le Ghost. Est-ce que c'est la bonne solution d'aller chercher Senna? Le Taunt va toucher, mais on est loin quand même. On va se replier. Peut-être d'aller chercher la Ziri était peut-être le jeu alors qu'elle était seule sur le côté. Les rebelles décident de tous se replier. Ils ne veulent pas combattre. Alors qu'on tente de s'éloigner, Virtuel sur le côté va tenter de gagner du temps pour son équipe. Va flash par-dessus le mur. Par contre, Pietrovic va suivre par la suite et on prend un premier pic. On joue à 5 contre 4 en faveur pour les aigles. Alors Lee Sin ici tente un petit bait avec un insect pour se repositionner avec la ward qui était sur le côté. On pousse avec les sbires qui sont augmentés avec la main du baron pendant encore 15 secondes. La T2 va tomber. On regarde peut-être pour dive sous la tour. Mais les rebelles n'ont pas de poke, n'ont pas de wave clear. Ils ont absolument rien. Pendant que le Malphite était en train de se replier, lui qui était dans la top lane en duel contre le Sylas. Mais Québec NBR n'arrive tout simplement pas à faire grand chose dans ce match. Et on va prendre la T2 dans la top lane. Alors que le buff du baron se termine, on va augmenter l'avance présentement dans la partie à 12 000 gold en faveur des aigles du collège Onsic. Et c'est pas juste 12 000 gold, c'est 12 000 gold à 24 minutes. C'est extrêmement tôt. C'est littéralement un stomp du côté des aigles pour le moment. Et aucun item de Magic Resist. Le seul joueur qui a de la MR, c'est Québec NBR avec une Merc Treads. Ouais, encore une fois. Et ça sert à rien. Tahmkench, avec les points de vie en ce moment, se fait quand même démolir. N'a pas de résistance. On a tellement de dégâts avec le Sylas, avec le Lee Sin. On est dans le moment où ces champions-là brillent le mieux. Et Tahmkench n'arrive pas à les contenir, malheureusement.
On est pas mal une seule fois à Locopollo 6-0-2 sur, sur le Silas. Lee Sin 3-0-2 par Giuseppe. 7-0-2 sur Petrovic, sur Ziri. Et ce sera un troisième dragon à 25 minutes. Les Aigles se dirigent vers un premier gain cette saison. Et ce qui est encore plus dommage, c'est regarder au niveau des, regardez-moi au niveau des items. On va chercher la tour top, mais on a juste deux items mythiques du côté des rebelles. Mm-hmm. On a la Heartsteel Tamkench, on a la Infinity Edge de Placid Riven. On a voulu rusher cette Thornmail, Locopollo qui va être tout simplement godlike, vraiment et, sans aucune difficulté à ce moment-là de la game. Le gold qui continue d'augmenter, on se rapproche des, on se rapproche lentement mais sûrement des 14 000 gold, des 14 000 gold d'avance. Mm-hmm. Et il y a un Baron Nashor qui va arriver dans 1 minute 10. Mais on veut vraiment jouer le plus proprement possible du côté des Aigles, jusque ce que je respecte proprement, vraiment. Éviter de faire des erreurs, même s'il faudrait 2-3 erreurs consécutives et très graves pour que les rebelles remontent la pente. Mais là, on cogne aux portes des tours, des inhibes, du top et du mid. Exactement, alors qu'on tentait d'engager pour Nairé. C'est quand même bien fait au milieu de tout le monde. Est-ce qu'on peut créer de la place? Le Sid Raven au milieu de tout le monde tente de survivre. Ici, il va avoir l'ultimate, va prendre un premier kill. Est-ce qu'il est capable de survivre? Lee Sin fait trop dégâts. Le triplé de la map pour le Sid Raven. Qu'est-ce que j'ai là? On survit de justesse. Et ça sera peut-être un teamfight pour les rebelles qu'on cherchait sur la séquence. Pardon? Le Poyo doit s'enfuir. Mais de justesse, quel clean-up! Le Sid Raven a pris le triplé avec le collector. La frontline a gagné du temps et on a survécu de justesse grâce à Princesse Lilia, avec le Devourer qui a donné du temps à Placid Raven de se repositionner. Et là, on vient de réussir peut-être un combat. Pas qu'il donne espoir aux rebelles, loin de là. Pas qu'il les ramène dans le match. Mais clairement, qu'il leur dit que si on trouve le bon moment pour engage à 5, il y a une solution à ce match. Il y a une possibilité, mais cette possibilité est encore très loin parce que des teamfights comme ça, il va en falloir au moins deux ou trois autres consécutifs sans aucune riposte de la part des Aigles. Et non seulement t'as dit pour le Devourer pour temporiser le fight, mais c'est aussi pour donner un énorme shield sur Placid Raven. Donc l'ultimate, on a le temps de faire le damage qu'on veut faire et sans tomber. On est resté tellement longtemps pour Placid Raven. On est mort à la fin, mais un triple kill, ça permet d'obtenir la Lord's Dominic, Lord's Dominic Regards pour Placid Raven. Donc l'ultimate, encore une fois, à regarder pour la suite des choses. Mais tu as tout à fait raison. Ça va prendre encore plusieurs teamfights pour revenir à l'avant. Edgary et Ban Myself qui jouent au niveau de la frontline. Mais aussi, il faut surveiller Locopollo. Il a son ultimate de prêt pour voler probablement le Tamkench ou le Rammus. Mais il faut regarder Lee Sin sur le côté au niveau du blue buff. Exactement, là, va tenter de prendre un pic. Est-ce qu'il est capable de le punir? Sur le côté, Placid Raven est loin derrière, par contre, tente de s'enfuir. Giuseppe va flash pour se repositionner. Un beau route de la part de la Senna pour les Aigles. Là, on va tenter d'engage ici, Néré au milieu de tout le monde. Veut se faire airborne, n'arrive pas à taunt sur la séquence. La mêlée continue. Attention, Placid Raven. Et bon, à point de vue, se fait éliminer immédiatement. Locopollo l'explose d'un coup sec. Et là, c'est le team fight en faveur des Aigles qui vont prendre des pics. 4 pour 0 en ce moment. Virzuev tente de s'enfuir, mais ça va être la téléportation qui va être utilisée dans la bot lane pour Camille qui va vouloir aller chercher un inhibiteur. Et peut-être qu'on va même regarder pour finir la partie immédiatement. On a une bonne vague de sbires dans la bot lane. On va push au mid en même temps pour la formation des Aigles. Mais Virzuev seul pour une trentaine de secondes, ça peut être le match. Et ça devrait être le match. Virzuev va utiliser la Zonyaz, mais trop peu, trop tard. C'est le ace pour les Aigles qui vont remporter ce match numéro 3 et remporter la série 2-1. Ils auront joué un match 3 à la perfection, bien exécuté. Et ils méritent de remporter cette série. Ils méritent amplement cette troisième game. Mais par contre, on a l'a pas dit dans le dernier teamfight, mais Lazeri qui a utilisé son ultimate alors qu'on aurait pu juste reculer en arrière, attendre que l'ult Azeri soit terminé pour retenter un fight. Il y avait des ultimates importants qui ont été brûlés du côté des Aigles. Mais malheureusement,
on voulait commit, on voulait chercher ce Lee Sin, essayer d'avoir peut-être un avantage pour le baron, mais quand même, ils ont quand même 11 000 gold d'avance, les aigles, pour ce dernier teamfight, malgré un petit teamfight miraculeux des rebelles avec le triple kill de Placid Raven. C'était encore loin d'être terminé pour ces rebelles. Et les aigles qui vont aller chercher cette première victoire de tout simplement la division 3A de cette saison, ce qui vont leur permettre d'obtenir la deuxième position pour le moment, parce que les Pandas du Cégep de Saint-Jérôme vont être premiers parce qu'ils ont fini 2-0. Donc, ils ont un différentiel plus élevé comparé aux Aigles. Et les Rebelles vont finir troisième pour le moment avec le Trad, qui va être quatrième pour le moment avec le différentiel de moins 2. La Pocatière va commencer ses matchs la semaine prochaine. Exactement, donc ça va être très intéressant à suivre le reste de la saison, mais avec un match comme ça qui finit 2-1, ça montre qu'il y a du potentiel des deux équipes, il peut y avoir une parité, il faut savoir mieux jouer en équipe, et je pense que ça a été la clé du match 1 et du match 3 pour les Aigles, où ils ont bien joué en équipe, et c'était pas nécessairement une question où on a mieux fait la draft, j'ai envie de dire, c'est vraiment on a mieux joué en équipe tout court à ce niveau-là. Même si on avait des drafts intéressantes qui faisaient du sens aussi, on va se l'avouer, c'était des bons choix de champions au niveau des pick et band, mais c'est vraiment juste le travail d'équipe qui était totalement différent. On avait l'impression de voir une équipe de 5 joueurs contre 5 joueurs de solo queue, littéralement. Et ça ressemblait beaucoup à ça de part et d'autre. Et il faut que je donne crédit aux aigles qui ont su jouer en équipe et les rebelles dont vont travailler la communication et comment trouver une synergie. Parce qu'au match numéro 2, on est allé juste avec des comfort picks, des picks de solo queue. C'est les picks qu'on était les plus à l'aise de jouer, avec un peu de cheese au besoin, avec le Panthéon bot. Puis ça a marché, mais c'était pas parce qu'on a bien joué en équipe, parce que c'était très chaotique les teamfights encore là pour les rebelles, avec deux barons qu'ils ont totalement gâchés lors du match numéro 2. Ils ont été chanceux de voler une carte, si on peut dire ainsi, aux aigles dans la série. Non, vraiment, c'est vraiment, t'as tout à fait raison là-dessus au niveau de la game 2, puis c'est quelque chose que au niveau de la LCSE qui est très important à regarder, c'est la communication. Tu dois t'habituer déjà pour ceux qui sont présents, qui ont été présents la saison précédente, ben de partager les connaissances qu'on a appris dans l'année précédente, les problèmes que les rebelles avaient l'année précédente, de partager ce qu'ils ont appris avec toute l'expérience qu'on a eue. Et la communication va être probablement le plus important. T'as tout à fait d'accord là-dessus. Regardez peut-être de faire des games en équipe de 5 et vraiment que le coach Melas vraiment dise aux joueurs: je veux que vous parlez non-stop. Je veux que vous parlez non-stop, que vous communiquez, que vous lancez des pings, vraiment, que vous parlez, parce que lorsqu'on parle pas, on ne peut pas jouer. Exactement. Ça va être à voir pour les prochaines semaines, les rebelles. La saison est encore jeune, c'était le premier match, bien entendu. Et en parlant de saison jeune et de match, on vous rappelle l'horaire des prochains jours pour la suite qui va y avoir lieu, alors que demain, mardi le 14 novembre à 19h, les rebelles de Sol Tracé affrontent l'Atlas de Victoriaville sur Overwatch 2. Et pour le premier match de la soirée, et à 20h30 pour leur second match sur Overwatch toujours, ils affronteront les Gaulois de l'Apocatière. La semaine prochaine, lundi le 20 novembre, les rebelles vont jouer contre les Gaulois de nouveau, mais cette fois-ci sur League of Legends. Et mardi le 21 novembre, on aura un seul match d'Overwatch à l'affiche. Ce seront les capitaines du Cégep de Matane, qui seront les visiteurs sur notre diffusion. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été des nôtres pour cette web diffusion. Merci Blake d'être de retour, toujours un plaisir de commenter avec toi. Et on vous rappelle la marque finale, les rebelles s'inclinent en match ultime 2-1 contre les aigles du collège Unsick. C'était Firefox à la description, Blake aux commentaires et analyse. Allez suivre, bien entendu, sur les réseaux sociaux, vous voyez notre Twitter, notre X, appelez-le comme vous voulez, bien entendu, pour nous suivre au niveau des publications sur League of Legends et sur le e-sport québécois. Et nous, on se donne rendez-vous demain soir pour la suite de la LCSE sur Overwatch. Bonne soirée tout le monde.